Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce 9e live de l'étrange. Ça fait déjà presque 2-3 mois qu'on est tous ensemble. On se retrouve chaque mercredi maintenant à 21h. J'espère que vous êtes bien installés aujourd'hui. Ça va être chargé parce qu'on va parler des photos célèbres du paranormal. On va avoir 4 chroniques. Moi, je vais en présenter 2, une en introduction et une autre qui va vous passer en revue tout plein de photos, certaines que vous connaissez peut-être, mais je ne serai pas seul. Il y a également Pierre, comme d'habitude. Comme chaque semaine, le grand gourou de la grotte chaude. Bonsoir à tous. Qui est aux machines dans... Tout à fait, je m'occupe de faire des trucs avec les caméras. Voilà, qui sera notre magnifique régisseur. Merci. Et homme à tout faire ce soir. tu as aussi une chronique. Tout à fait, oui, j'ai totalement une chronique. Je sais absolument pas ce que ça va être, donc je vais la découvrir avec vous. Il avait carte blanche. Et Manon, sur les 2-3 lives, derniers lives, est avec nous et a également une chronique sur le sujet. Absolument, voilà. Je vous ai préparé un petit truc un peu particulier, encore une fois. Donc je vais découvrir ça aussi. Je remercie en toute chose notre partenaire Newer, c'est grâce à eux qu'on a qu'on a un éclairage et que sur ma chaîne, sur les chroniques régulières, on a de quoi s'éclairer. Donc il y a le lien en description pour ceux qui cherchent du matériel lumière, pensez à faire un petit tour, voilà, c'est pour les intéresser. Je suis très content qu'ils soient partenaires avec nous. Et évidemment, on stream comme d'habitude depuis Jonesy Agency, lieu culturel et d'art associatif, également studio d'enregistrement. Ils viennent de sortir un super clip, un super live stream d'un concert là. Ouais, c'est un live qui a eu lieu dimanche dernier de Puissant Blaster. Ouais, et c'est très très bien, c'est français. On vous passe le lien de la vidéo aussi pour ceux que ça intéresse. Voici le lien, je le mets maintenant. Parfait. Donc voilà, n'hésitez pas à aller raider un petit peu, laisser un petit like, c'est les partenaires, c'est les amis, donc on s'entraide. On va attaquer, mais avant ça, je me dois quand même de vous remercier, on vous doit quand même de vous remercier, parce que au dernier live, on avait passé ensemble les 50% sur la campagne France Obscure. Là, on frôle les 75% et on est à 22 000 à peu près, enfin c'est du grand n'importe quoi, là on était à 15 000 il y a une semaine. C'est juste gigantesque. On va y arriver a priori grâce à vous là, vraiment c'est la dernière ligne droite, mais on est plus qu'optimiste. On est super content, donc on tenait à vous dire deux choses. Déjà, on vous a écouté parce qu'il y a pas mal de gens qui voulaient avoir accès à la nuit du paranormal sans forcément avoir tous les packs, donc on a rendu un pack disponible à 50€ qui comprend donc le livre principal et une place du coup pour assister à la nuit du paranormal qui aura lieu à Paris avec diffusion de films, on pourra s'encontrer, des débats. On veut vraiment faire une nuit super et on veut la rendre accessible au plus de gens possible, mais en même temps que ça reste un peu intimiste, donc on a élaboré le dernier pack de la campagne pour vraiment que ceux qui s'intéressent puissent y avoir accès. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. Et on va vous, très rapidement, pendant 2 minutes, juste vous en dire un petit peu plus sur le livre pour ceux qui se posent un peu des questions, que ce soit ceux qui l'ont déjà acheté ou ceux qui hésitent encore un petit peu. Avec Manon, on va vous révéler du coup le chapitrage du livre et on va vous teaser chacun une petite affaire qu'on aime particulièrement, voilà, nos coups de cœur respectifs. Ouais. Donc il y a 10 chapitres dans le livre France Obscure, ils sont les suivants. Paranormal et politique, les sectes, la sorcellerie, les fantômes, les ovnis, j'en parle très peu sur la chaîne, mais là on va en parler dans le livre, les rituels dans les cimetières, c'est précis, les peuples occultes, c'est mystérieux, les cités englouties, parce que, les cités englouties, on voulait vraiment faire un chapitre sur ça, parce que ça allie à la fois merveilleux, folklore et vraie affaire paranormale, c'est assez passionnant, les médiums, c'est assez large, mais vous verrez qu'on a mis des ancrages assez intéressants aussi, et un thème un peu plus large sur curiosité, qui englobe quand même des affaires en lien avec le paranormal, ou qui mettent en avant des personnalités assez singulières. On a choisi des chapitres assez larges pour justement pas se limiter et traiter les affaires qu'on voulait vraiment traiter, et pas juste dépendre d'un chapitrage un peu trop clivant. Voilà. Manon, je te laisse peut-être pitcher ton affaire, ton affaire phare, favorite. Ouais, on en avait un petit peu parlé la dernière fois du fait que j'avais un chapitre sur Citaran, notamment, puisque à La Réunion, l'île de La Réunion, c'est un personnage qui est extrêmement connu. Pardon, désolé, j'avais allé de l'autre travers, excuse-moi. je te mets en gros. Merci, c'est super gentil à toi, Pierre. T'assure. Citaran, c'est un personnage que tout le monde connaît sans connaître. En fait, à La Réunion, il y a énormément de légendes autour de lui. Et c'est un culte, en fait, qui est rendu à Citaran encore aujourd'hui,
quotidiennement, il y a tous les soirs des gens qui viennent faire des rituels sur sa tombe. Mais ce qu'on connaît beaucoup moins, c'est l'envers de l'histoire. Et du coup, j'ai été chercher dans les archives départementales de La Réunion et me renseigner un petit peu auprès d'historiens et d'historiennes spécialistes de la question pour essayer de savoir qui était réellement Sitaran, qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce que c'est encore aujourd'hui. Donc c'est une affaire qui est vraiment, je pense, passionnante et qui est encore très actuelle. Mmh. C'est la France, mais en même temps, c'est sûrement un peu exotique pour vous, donc c'est sûr que ça va vous plaire. Et puis, pour un autre petit pitch, parce que ça, je vous en avais déjà un petit peu parlé, mais en petite exclusivité, ceux qui me suivent sur Instagram, par exemple, ont pu voir que je me suis pris de passion pour un personnage en particulier ces derniers temps, que j'ai appelé Monsieur M, pour ne pas vous dévoiler son nom, son pseudonyme, qui est une sorte de médium, mais il n'a pas vraiment été connu pour ça. Un personnage totalement fantasque, qui vivait dans la tour nord de Notre-Dame, de Paris, qui avait un chat qui s'appelait Quasimodo, sans déconner, et qui a fait des choses absolument incroyables. C'est un personnage dont on ne peut que tomber fou amoureux, tellement il est attachant et qu'il a réalisé des choses dans sa vie qui sont fantastiques. Donc un médium très peu connu, que tout le monde a oublié aujourd'hui, dont on trouve très 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 peu d'infos sur Internet. Mais par exemple, grâce à des recherches et à des aides de pas mal de gens spécialisés, on a réussi à retrouver un petit peu sa vie et son œuvre. Donc ça va être chouette. Et j'ai hâte de découvrir le fin mot du coup, parce que t'es encore sur l'histoire de ce personnage. Par contre, Sitaran, je suis super fan. Moi, pour vous pitcher, je vais vous garder un peu le secret. Voilà, moi je vais vous garder pas mal de secrets. Je vais quand même vous faire un pitch assez rapide sur une affaire bien particulière que peut-être certains d'entre vous connaissent. Lorsqu'un vétérinaire de bonne réputation décide de vendre son cabinet normand pour changer de vie et commencer sa ferme dans le Berry, les malheurs s'accumulent. Animaux qui meurent les uns après les autres, ses proches et lui-même frappés d'un mal insidieux, un quotidien qui vire au cauchemar, lentement, en l'espace de 15 ans, cet homme riche, puissant et bien avisé se retrouve ruiné, isolé et solitaire. Les plus superstitieux pourraient bien invoquer le mauvais sort, et c'est bien là que mène cette enquête. Lorsque se succède l'épreuve de rituels et de sorcellerie, les paysans parlent de l'œil du sorcier. C'est une affaire qui a quand même eu un petit peu de retentissement. C'est une affaire que j'affectionne beaucoup, et c'est une des affaires principales du livre. Il y en aura des dizaines, hein. Donc voilà, on vous tease un petit peu sur ces affaires-là, mais moi c'est parce que c'est vraiment... On vous a donné un peu de nos coups de cœur, mais évidemment... On les aime toutes et on les a choisies avec amour, mais voilà, je voulais un petit peu vous donner ce pitch-là qui, je trouve, donne le côté d'une France sorcière absolument, absolument passionnante. Donc voilà, merci beaucoup pour votre soutien. Il nous reste maintenant il nous reste 9 jours sur France Obscure, donc voilà, c'est faut y aller, faut pas s'arrêter, faut continuer, mais on est déjà surmotivé et très reconnaissant de votre soutien, surtout sur cette dernière semaine, ça fait un bien fou. Donc du coup, voilà, on espère déjà que rien que sur ce live, vous le rendre un peu parce que c'est chargé. Sans plus attendre, on attaque donc le sujet de ce live. J'ai préparé une chronique en introduction, donc je le rappelle, il y aura 2 chroniques, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont arrivés de mon côté. Là, ça va être une chronique assez introductive avec un sujet. Ensuite, il y aura les chroniques de mes compagnons. Et ensuite, on repassera sur ma chronique plus générale où je vous passerai plein d'affaires différentes avec plein de photos différentes. C'est parti. Sans plus attendre, on attaque. Alors, nous sommes à l'aube de 2021, à l'ère de l'infodivertissement, où des millions d'images différentes remplissent nos têtes chaque année et sont autant de marqueurs d'influence ou propagande possible. Peut-il du coup encore y avoir une photo ou même une vidéo, puisqu'une vidéo n'est qu'une suite d'images mises bout à bout finalement, capable de changer les choses, d'ouvrir le champ des possibles, de nous emmener vers d'autres perspectives au questionnement métaphysique? C'est en tout cas ce qu'on espère tous un petit peu au fond, explorer l'inconnu avec toute la part de crainte et de fascination que cela implique. Par le biais de l'imaginaire, mais également des nouveaux médias, en tordant la réalité pour la rendre poreuse. Les vidéos truquées inondent Internet depuis sa création, vous n'êtes pas sans le savoir. Pourtant, dans cet océan d'informations difficiles à trier, quelques images ouvrent une porte. La porte de l'inconnu.
Et c'est ce que nous allons faire ce soir, explorer cette voie, par le biais de photos de fantômes, cryptides, mais pas seulement. C'est un sujet très, voire trop peu exploré sur ma chaîne, de par la complexité et les connaissances techniques qu'il demande, mais ce champ ouvre le live de ce soir. On va parler des ovnis, objets volants non identifiés. Nous sommes en 2004, des pilotes de chasse d'un Super Hornet FA-18 et leurs instruments de détection, qui sont associés à USS Nimitz Carrier Strike Group, qui est un navire, signalent et détectent des objets aériens inconnus. Selon un pilote de la marine qui se nomme David Fravor, et un autre opérateur il y a un opérateur radar à bord de l'USS Princeton, qui lui a dit d'enquêter sur les indications radar d'une cible qui se trouvait à 80 000 pieds, qui correspond donc à 24 000 mètres, et qui s'est rapidement déplacé vers la mer avant de s'arrêter à 20 000 pieds, 6 100 mètres. Cela faisait 2 semaines que l'opérateur radar relevait des indications inhabituelles similaires. On avance dans le temps. De 2004, on arrive en 2014-2015. Il y a des pilotes de chasse qui sont associés à un groupe d'attaque du porte-avions USS Theodore Roosevelt qui ont signalé des détections d'objets aériens inconnus par les instruments que les pilotes n'ont pas pu identifier. Ces détections ainsi que les observations des pilotes ont ensuite été rapportées dans les médias. Certains des pilotes concernés ont par la suite donné des conférences et justifications sur leurs expériences, et de ces observations, il y a eu 3 vidéos. Une qui s'appelle Gimbal.wmv, l'autre qui s'appelle GoFast.wmv, et la dernière s'appelle FLIR, je ne sais pas comment prononcer ça, .mp4. Elles sont peut-être des fleurs. Des lance-fleurs, non ? Absolument, c'est très probable. Elles sont censées montrer les rencontres des jets de Nimitz et de Theodore Roosevelt avec des avions aux formes inhabituelles et rapides, alors plutôt avec des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Elles sont très connues au sein de la communauté OVNI et elles furent également largement partagées par les médias. Ces vidéos, on va vous les montrer. Mais avant ça, il faut savoir qu'elles sont en image infrarouge, qu'elles affichent également des données du poste de pilotage. On va vous les passer juste après, et justement, ce qui peut étonner, c'est la position du Pentagone à ce sujet. Cette année, en 2020, parce qu'on a été très pris par la pandémie et la situation sanitaire mondiale, mais il y a également eu le Pentagone qui a publié une déclaration qui a autorisé la diffusion de ces vidéos non classifiées parce qu'elles avaient déjà circulé dans le domaine public après leur diffusion non autorisée en 2007 et en 2010. Et il y a une porte-parole du Pentagone qui a confirmé du coup l'authenticité de ces vidéos, qui ne sont pas truquées, et qui ont été réalisées par des aviateurs, et elle achève en disant qu'elles font partie d'un problème plus vaste, d'un nombre Aucune idée. Ok. Très étrange. Qu'elles font partie d'un problème plus vaste, d'un nombre accru d'incursions par des phénomènes aériens non identifiés au cours des dernières années. Ces images, les voici, et on en parle juste après. There's a whole fleet of them. Look on the SA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west. The whole thing, dude. That's not our LNS, though, is it? It's not. That is the LNS, dude. Well, if there's a... Look at that thing! It's rotating. Voilà donc les 3 vidéos en question à la suite que vous avez pu voir. Jusqu'à aujourd'hui, les objets volants non identifiés sur ces images demeurent inexpliqués selon le département de la défense des États-Unis. Il est bon de rappeler avant toute chose que OVNI ne signifie pas nécessairement vaisseau extraterrestre, hein, je tiens à le préciser. Sur les pistes d'explication, il y en a pas mal. Voilà, elles incluent un mauvais fonctionnement, une anomalie ou des artefacts d'un instrument ou bien d'un logiciel qui créerait une illusion d'observation, comme par exemple un effet de parallaxe, ou bien une erreur d'interprétation, voire même un aéronef ordinaire finalement, comme par exemple un avion de ligne,
ou bien un appareil aérien comme un ballon météorologique, comme c'est souvent le cas. Généralement, les objets qui sont signalés dans ces incidents sont, je cite, probablement, généralement, des objets relativement lents comme un oiseau ou bien un ballon. Et il y a un monsieur, Mike West, qui s'est intéressé au sujet, parmi d'autres, hein, évidemment, vu que ça a beaucoup fait parler, ces vidéos, qui a déclaré que la vidéo de Gimbal, elle pouvait être expliquée comme étant une séquence d'un plan éloigné, sur laquelle, avec la rotation apparente, il y avait en fait un éblouissement de la caméra infrarouge en rotation, qui créait un peu cet effet étrange, et que les autres incluaient soit un avion, qu'on verrait, soit un effet d'optique. Mais, on va... Pardon. Oui. On a le droit de... Bah justement, je vous laisse réagir juste, on en parle juste après. Okay, on va passer ses explications et après on va parler rapidement. Ça marche. Sa vidéo fait 2 minutes, elle est pas sous-titrée, mais elle fait 2 minutes en anglais. Je vous l'explique après pour ceux qui comprennent pas, vous allez voir, c'est assez simple. C'est pas chaud pour faire la traduction en simultané. En simultané, non, c'est pas encore dans mon champ de compétences, malheureusement. Ok, tant pis. C'est parti pour la vidéo pas sous-titrée et pas commentée en direct. Ah, je peux essayer de le faire en direct, mais vu qu'il parle, ça va être. Non, mais tant pis. Ouais, non, fais pas ça, c'est voilà. Today, the Navy officially released 3 videos of UFOs. They are called FLIR, Gimbal, and Go Fast. The internet immediately took this as meaning that aliens are real, but the videos are not actually new. They were internally declassified back in 2017 and immediately released by Tom DeLonge's To the Stars Academy. I started writing about them in December 2017, and with the help of others, I quickly arrived at likely explanations for all 3 videos. The FLIR video is most likely a distant plane. The video was taken well after the famous encounter with a hypersonic zigzagging tic-tac by pilots from the Nimitz. This object doesn't actually move on screen, except when the camera moves, and it resembles an out-of-focus, low-resolution, backlit plane. I don't know what the pilots saw, but this video does not show anything really interesting. The gimbal video is also probably of a plane. It's not rotating. What you see is the infrared glare of the engines, which is larger than the plane. It looks like it's rotating because of an artifact of the gimbal-mounted camera system. This is all a bit confusing, so I made several videos explaining it. Oh, and the aura around the plane, that's just image sharpening. It happens all the time in thermal camera footage. It's not an alien warp drive, it's just the unsharp mask filter. The Go Fast video probably shows a balloon. It's not moving fast, it's not skimming the water. And you can verify this yourself because all the information you need is in the numbers on the screen. You just need a little high school trigonometry. The apparent speed is just an effect caused by parallax. Over the last few years, I made a variety of videos explaining all this. You can find the playlist linked in the description. If you've got questions, especially about the gimbal video, then I probably covered it there, or it will be covered in the various discussions on Metabunk. If it's not covered, then let me know, and I'll try to find an answer. Alors, en gros, donc voilà, ensuite il continue en disant qu'il a débunké pas mal de choses sur sa chaîne, donc je sais pas si certains ont compris, mais en gros, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il fait remarquer que l'emploi du zoom, on le voit à un moment donné, hein, avec le zoom, etc., c'est assez visuel. Lorsqu'on passe d'un zoom x1 à un zoom x2, on a un espèce d'effet de téléportage sur la gauche, ce qui donne l'impression que l'OVNI qui se déplaçait toujours vers la gauche continuait à vive allure et n'était plus suivi par la caméra. Ça lui donnait donc son espèce de grande vitesse apparente. Et selon lui, bah, c'est, comme il le dit, parfaitement cohérent avec quelque chose comme par exemple un avion de ligne éloignée qui vole tout à fait normalement sans faire de mouvement soudain. Il a aussi voilà, bien insisté sur l'effet parallaxe qu'il pouvait y avoir et avec les différents calculs. Par rapport à la vidéo Gimbal, il pense que c'est aussi un avion. D'ailleurs, on peut remarquer, on le voit à un moment donné, l'infrarouge du moteur qui est allumé du coup. Dans une série de plusieurs vidéos sur sa chaîne YouTube, il explique aussi comment avec une caméra montée sur une boule, il peut reproduire les effets vus dans les images de la Navy, y compris l'éblouissement rotatif et les images qui s'en suivent. On le voyait à un moment donné, il était un peu dans son garage, donc il s'est amusé à reproduire les mêmes effets pour montrer que l'événement était reproductible, en tout cas en conditions contrôlées, pas même si c'était pas en conditions réelles. Et enfin, pour GoFast, il pense que c'est un ballon météo notamment, suivi par une caméra qui a été suivie,
et qu'il y a une cam et qu'on lui donne une vitesse anormale, du coup, grâce à cet effet de parallaxe, alors qu'en fait, lorsqu'on les regarde en mouvement, les objets qui sont à des distances différentes semblent se déplacer à différentes vitesses, sauf que là, l'objet, on a l'impression qu'il se déplace rapidement et à basse altitude, juste au-dessus de l'eau. Alors que pour West, et à partir des calculs, à un moment donné, on voit plein de calculs qu'il fait, selon lui, à partir des calculs grâce aux métriques affichées sur la caméra, eh ben, l'objet se déplace lentement et en altitude, en fait. Du coup, il a dédié plusieurs vidéos sur sa chaîne à la reproduction de ces phénomènes observés. Et il dit, du coup, effectivement, pourquoi, enfin, si les explications sont si évidentes, pourquoi est-ce que la marine, le Pentagone n'a pas directement donné ces explications-là. Alors lui, il l'explique en disant que s'il les a pas données, si les différents organes ne les ont pas données, c'est parce qu'elles contiennent des détails opérationnels qui pourraient dévoiler les systèmes ou les technologies qui sont secrètes par nature de l'armée. Et l'armée, elle aurait donc eu aucun intérêt d'elle-même, sans qu'on leur demande des explications véritablement, à expliciter chaque détail de ce qu'on voit à l'image, pour justement éviter de trop en dévoiler sur leurs avions de chasse. Il y a d'autres personnes qui sont chargées, comme lui, de débunker les vidéos du gouvernement. Alors, pour autant, elles donnent des pistes d'explication, mais ne nous dévoilent pas forcément la vérité. Ce sont des solutions qui sont probables, qui sont raisonnables même, et qui peuvent expliquer ce qu'on vient de voir sur ces images. Elles ont été reproduites, même si elles n'ont pas été, encore une fois, dans les mêmes conditions. Cela dit, les pilotes et d'autres témoins oculaires ne partagent pas du tout ces théories. Le commandant de la navie américaine, du coup, David Fravor, qui pilotait son Hornet, l'OVNI a frôlé l'eau, a semblé réagir aux avions de chasse, et il a surpris tous ceux qui l'ont regardé. Il a détaillé sa rencontre dans un rapport pour la marine qui fait environ 13 pages, et il a également témoigné publiquement là récemment. Son témoignage, il est assez long et il est en anglais, donc on va pas le passer, mais je vais vous le mettre en source et dans le chat. Je vais vous passer les liens juste après, et même si l'argument d'autorité n'aide pas, c'est quelqu'un qui est très crédible, qui est nuancé dans ses prises de parole, et même si un témoignage reste un témoignage, il ajoute néanmoins d'autres éléments qui sont pas visibles sur la vidéo déclassifiée, et qui rendent ces trois vidéos qu'on a eues vraiment cette année, la déclaration du Pentagone, assez intrigantes et assez mystérieuses. Depuis lors, Fravor, lui, il pense qu'il a rencontré une vie extraterrestre intelligente, voilà. Il y a donc plusieurs points de vue autour d'un même événement et d'une même photo. Bon, après, je vais faire ma conclusion, mais vous, si vous voulez réagir là-dessus, allez-y. Je sais pas. Si vous avez un avis, Manon, tu voulais prendre la parole tout à l'heure. Ouais, ce que je voulais dire, c'est que ça me paraît improbable. Enfin, franchement, je m'y connais pas du tout. Je vais parler en tant que profane total, mais ça me paraît incroyable qu'un mec qui est dans un avion de chasse, qui est un pilote ultra expérimenté, n'arrive pas à reconnaître un avion, même s'il est s'il vole un peu chelou, quoi. Et ce qui me paraît encore plus bizarre, c'est que les mecs voient un truc qu'ils ne reconnaissent pas, et pourtant, ils se marrent, alors que, bon, bah, ça pourrait être potentiellement un danger. Et ça me paraît très bizarre comme... Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que... Il y a un truc qui me dérange, quoi. Sur par rapport aux vidéos ou à l'authenticité des vidéos? Bah un peu les deux en fait. Après bon, ça vient du Pentagone et ils ont dit que c'était vrai, donc bon, c'est difficile à remettre en cause, mais les deux explications me paraissent pas satisfaisantes. Mais c'est peut-être sûrement parce que il faudrait aller plus dans les détails pour réellement comprendre. Mais ça vous paraît pas étrange que ces mecs là voient un truc qu'ils ont jamais l'habitude de voir et... Moi non plus, ça me choque pas en fait. Mais ça, je sais pas, ça pourrait être un drone ennemi, ça pourrait être plein de trucs, tu vois. Ouais, mais ils savent les identifier, du coup, les autres trucs. Enfin, je pense. Enfin, je sais pas. Et puis ils sont. Alors après, moi, sur l'exercice là, notamment sur ces vidéos là, c'est pareil, je vais pas m'avancer pour pas donner de fausses informations, mais j'imagine qu'ils sont en contact permanent avec tout ce qui est tour radio, avec couverture. Enfin, en plus là, c'était des avions. C'était dans le cadre d'un exercice militaire, etc. Donc j'imagine qu'il y avait un minimum de sécurité. Après, pour leur réaction, elle est pas étonnante. Moi, j'ai des bouquins sur qui parlent d'ufologie et d'OVNI, où notamment on retrouve un peu voilà ces trucs assez connus de témoignages de pilotes, etc. Et en général, ils ont une espèce d'amusement, de fascination quand ils voient quelque chose justement qu'ils n'arrivent pas à expliquer. C'est surtout ça là pour eux. Et le pilote le déclare très bien dans son rapport et dans son témoignage vidéo. C'est quelque chose,
il comprend pas ce qui se passe du tout, et juste par rapport à ce qu'il a l'habitude de voir et à son champ de connaissances, il n'arrive pas à dire ce que c'est, quoi. Après, il y a beaucoup de... C'est pour ça que, voilà, je pose ça là, hein, c'est pour ça que je tenais vraiment à ouvrir avec ça. Il y a tellement de choses, il y a des gens qui vont dire « Oui, mais les pilotes, ce sont des bons pilotes, mais ils connaissent pas forcément toutes les spécificités ou comment est-ce que leur avion fonctionne, et du coup, comment d'autres appareils peuvent fonctionner ou pourraient réagir, ce ne sont pas des gros ingénieurs, etc. » Enfin, t'as des gens qui vont dire ça, d'autres qui vont justifier ci et ça. Moi, factuellement, pour avoir vu beaucoup de vidéos d'OVNI et ce genre de choses, je trouve qu'on est quand même sur un cas assez intriguant, assez solide, ouais, non, c'est... qui n'est pas inexplicable. La preuve, il y a des gens comme ce monsieur West qui ont réussi à reproduire le phénomène en conditions contrôlées, encore une fois, pas en conditions réelles, mais qui, entre ça, plus les déclarations du Patagone, etc., je trouve ça amusant qu'en fait on est ça cette année un petit peu. Je me dis, bon, c'est rigolo, je voulais ouvrir un petit peu là-dessus, quoi, poser la question. Et j'avais une question, eux quand ils voient ces phénomènes, ils le voient pas de leurs yeux, ils le voient à travers l'écran. À travers les instruments, bah je pense qu'ils vont un peu trop vite, ouais. Alors ça c'est une bonne question. Parce que si c'est un effet de caméra et de zoom et tout, ok, mais s'ils le voient de leurs propres yeux, je comprends pas, mais j'imagine qu'ils le voient par rapport à leurs instruments. En fait, de toute façon, même dans le témoignage, enfin, parce que t'as aussi des témoins oculaires qui ont vu ça, donc de toute façon, il y a d'autres sources qui sur ce cas-là. Enfin, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a les vidéos, mm-hmm. on a vraiment les preuves vidéo, et effectivement, bon, bah voilà, ce sont les vidéos sont dépendantes des instruments, des appareils. Après, évidemment, t'as aussi les témoignages des pilotes, etc. Le problème, c'est que très souvent, dans l'ufologie, on va t'opposer, oui, mais c'est pas parce que tel monsieur est pilote ou tel ouais. monsieur est un ancien que son témoignage a de la valeur. Là, ben, du coup, on a des vidéos intéressantes sur lesquelles les gens avaient l'air d'hésiter. Moi, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'effectivement, il y a des explications qui paraissent crédibles, qui paraissent rationnelles, mais ça reste assez curieux comme phénomène, quoi. Moi, je sais pas si parmi vous, il y en a qui sont dans l'aviation ou qui s'y connaissent bien, je serais curieux d'avoir des avis de spécialistes en français, parce que c'est pour ça aussi, je leur ai dit, mais que j'en ai pas beaucoup parlé de l'ufologie sur ma chaîne, c'est que j'estime qu'il faut quand même être béton en physique, en sciences de manière générale, en aéronautique et toutes ces choses-là pour en parler un minimum, quoi, pour ouais, être un peu profane. Donc moi voilà, je voulais modestement vous parler de ce cas parce qu'il est je le trouve vraiment hyper intéressant et on en parle pas forcément beaucoup dans le, enfin moi en tout cas j'ai pas vraiment beaucoup vu parler de ces vidéos dans le YouTube francophone. Donc voilà, Pierre, t'en penses quoi? Tu les avais jamais vues, toi, ces vidéos? C'est possible que je les ai vues parce que je passe beaucoup trop de temps à regarder des vidéos de ce genre sur internet, mais ouais, non, moi je trouve ça intriguant. Après, effectivement, ce sera intéressant d'avoir l'avis de spécialistes. Moi, ça me choque pas que ça surprenne des gens. Enfin, il y en a pas mal d'ailleurs, des témoignages de pilotes et de choses comme ça à travers l'histoire. Enfin, il y en a eu pas mal, mais voilà. Enfin, moi, ça m'intrigue. Ceci étant, bah, je suis un peu comme toi, je me dis. Ce serait bien qu'on ait un avis d'expert, en fait, sur la question. Mais je n'exclus pas la possibilité qu'effectivement ce soit chelou. Enfin voilà, du coup au moins, c'était le but, éveiller votre curiosité et éveiller le mystère. Il y a donc plusieurs points de vue autour d'un même événement, d'une même photo, autant de théories paranormales qu'explicables. Parce que l'on connaît, sont des portes ouvertes et des chemins vers l'inconnu. Vous l'avez compris, le live de ce soir nous invite à réfléchir sur ces clichés souvent très connus du paranormal. La vérité est là-dehors, c'est le chemin vers elle ensemble qui est intéressant. On échange nos points de vue, on débat, le temps de la route. L'issue ne revient qu'à vous, et comme je le disais à la fin de mes vidéos auparavant, c'est à vous de voir. Je tiens à dire, toute proportion gardée, que la littérature, les archives et enquêtes autour du phénomène OVNI est extrêmement riche. Il serait bien présomptueux de tout balayer d'un revers de main, sans prendre les affaires au cas par cas, surtout quand des gens passent leur vie à enquêter dessus. Il y a du faux, il y a du canular, il y a des phénomènes atmosphériques explicables, mais il existe une part inexpliquée à explorer. Posons-nous des questions pour mieux comprendre, partageons nos croyances et nos points de vue. C'était ma chronique d'ouverture, je reviendrai tout à l'heure avec cette affaire assez différente et plein de photos différentes. Manon, je te passe la main pour ta chronique. Attendez, quand vous dites cette affaire, c'est...
7, d'accord, sept, très bien, sept, très bien. Sept, ça. Pour le temps de niaiser, hein, on n'est pas couché, comme dirait Laurent. Voilà, on veut vous régaler ce soir, donc voilà, on espère vous surprendre. Manon, je découvre avec vous la chronique d'Obscuriosity. Oui, absolument, il me faut toujours le PC. Absolument. Ça change pas, en fait. Absolument, je te le donne dans très exact, puisque je suis quelqu'un de très poli, je te mets la page avec ta chronique, tu vois. Très bien. Incroyable. Mais comme ça. Comme ça, tu peux jeter un coup d'œil. C'est intéressant, ça. Qu'est-ce qui se passe? Le dessous de mon ordinateur est resté dans ses mains. C'est intéressant. Ah, très bien, très bien. Une note. Moi, je vais. C'est paranormal. Je vais mettre le retour du chat sur mon téléphone, du coup. Donc, si vous me voyez la tête baissée, j'écoute, mais. Mais on ne te verra pas parce qu'on verra Manon raconter son histoire. Allez, ouais. Manon. Aujourd'hui, je voulais prendre un peu le contre-pied de ce que j'ai fait pour les deux lives précédents. Comme tu l'as bien rappelé tout à l'heure, les photos paranormales, on peut dire qu'elles existent depuis que la photo elle existe tout court, ou du moins depuis qu'elle est maîtrisée par une part d'adeptes suffisamment férus pour arriver à, au tout début de la photographie, à se servir de ce médium. Donc pour rappel, la photo elle naît grâce aux recherches de Nicéphore Niépce. Excusez-moi, j'ai... Voilà. De Nicéphore Niépce en 1826, et puis de Louis Daguerre qui va s'associer avec lui et qui présente officiellement les premiers daguerréotypes en 1839. Excusez-moi de vous interrompre, je suis désolé de faire ça, mais qu'est-ce qu'on voit là actuellement? Cette photo, elle s'appelle le point de vue du gras. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vue. C'est la toute première photo de l'histoire. Donc faite par Nicéphore Niépce. En fait, pour vous expliquer, Nicéphore, il prend une caméra obscura, donc c'est une boîte avec un trou. La lumière, elle va passer par le trou. Et grâce à un effet d'optique, ça va montrer ce qu'il y a à l'extérieur, à l'intérieur, mais à l'envers. En fait, c'est ce qui se passe dans nos yeux. La lumière, elle rentre par nos pupilles et ça forme une image sur la rétine qui est à l'envers. Et c'est notre cerveau qui la remet à l'envers. Ok. Le Nicéphore Niépce, il se sert de cette caméra obscura et au fond de la caméra obscura, il met une plaque en métal qui va recouvrir de ce qu'on appelle du bitume de Judée. C'est une sorte de goudron naturel qui durcit à la lumière. Et il va poser cette boîte sur le rebord de sa fenêtre pendant, on dit à peu près 3 jours, mais on n'est pas tout à fait sûr. Et à la fin, il ressort la plaque, il la nettoie et on a la première image de la vie réelle qui est fixée sur un support. C'est ça la première image ou c'est l'autre? Alors, c'est l'autre. Ça, c'est donc, je vous ai dit, c'était sur une plaque photographique, une plaque métallique, pardon. Et du coup, c'est ce qu'on appelle un négatif positif. En gros, il faudrait jouer avec les rayons de la lumière sur la plaque pour voir apparaître toute la photo. Mais on remarque qu'il y a 2 murs sur les côtés et une sorte de toit avec un arbre au fond. Ah oui. C'est pas très effectivement. Visible. Ah, ouais. Mais ah ouais. Si tu passes la reconstitution qu'on a fait à partir de ce tirage... Donc c'est l'image suivante, c'est l'image suivante. Voilà, là, on voit bien le toit, l'espèce de triangle au milieu, les 2 murs sur les côtés et un arbre derrière. Je ne vous ai pas mis la photo, mais si vous voulez, sur Internet, vous avez quelqu'un qui a fait une maquette de cet endroit, donc le gras, c'est là où il habitait, Nicéphore Niépce. Du coup, on peut revoir exactement comment est-ce que tout était aménagé. Ça aide à comprendre un petit peu plus la photo. J'avais pas du tout prévu de rentrer dans tous ces détails-là. Excusez-moi, non, mais moi, je pose des questions parce que je ne comprenais pas de quoi il était question. Mais il n'y a pas de souci. Sur la photo, normalement, je m'y connais pas trop mal, donc ça devrait aller. Dans tous les cas, voilà, si vous aviez jamais vu la toute première photo de l'histoire, c'est Monsieur Niépce qui l'a réalisé. Et puis ça. C'est celle-ci. Voilà, d'accord. C'est le point de vue du gras. Et puis, Louis Daguerre, après, il fait le daguerréotype. Donc, c'est les premières photographies qui sont vraiment, comme on peut se l'imaginer, des vieilles photos de la fin du 19e siècle, en noir et blanc, sur des plaques métalliques. C'est un procédé qui est assez complexe et qui est aussi très coûteux. Mais il y a très vite un engouement qui va se faire autour de ce nouveau médium qui permet de capturer des images de la vraie vie, qui est vraiment une technique révolutionnaire. J'arrive, vous inquiétez pas.
Alors, voilà. Donc le daguerréotype, en gros, donc vous avez notre caméra obscura, l'appareil photo qui est au milieu. En fait, il faut préparer la plaque de métal avant. Si je me trompe pas, c'est un bain de mercure et après c'est développé avec des vapeurs d'iode. C'est un peu complexe, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que la photographie, c'est vraiment une image de la réalité qui est capturée grâce à des réactions chimiques. Et donc pour ça, on utilise la chambre noire. Comme je vous l'ai expliqué pour Nice et Forniebs, l'image elle se forme sur le support au fond de la boîte, comme dans notre œil. Donc c'est vraiment assez simple, mais il faut maîtriser les réactions chimiques, tout simplement. Mais donc aujourd'hui, on va pas parler des photographies spirites, par exemple, qui sont truquées, mises en scène par des savants photographes et des grands prestidigitateurs afin de faire apparaître des spectres ou des ectoplasmes, puisque je sais que c'est un sujet que Sailar a prévu de traiter c'est ce genre en d'image que vous profondeur. Parlez. Voilà, là, on a eu toute une mouvance de photographie spirit où on faisait apparaître des choses grâce à des petits trucages photographiques. Alors, je vais encore vous interrompre parce que je suis chiant. Qu'est-ce qu'on est censé voir là sur cette image? Alors ça, c'est une photo d'ectoplasme. Ah. En fait, c'est une médium qui fait apparaître une... C'est quoi? C'est un ectoplasme? C'est une matière visqueuse qui vient des spectres, un truc comme ça? Oui, en gros, oui. C'est une espèce de matérialisation qui, en général, peut être produite aussi par le médium, quoi. C'est pour ça que des fois, on les voit sortir de la bouche, etc. Ça peut être assez surprenant. Voilà. Et l'autre, c'était l'apparition d'un fantôme sur une photo, quoi. Je vais la revoir à présent. Comme on en parlait aussi pendant le premier live, quoi. Oui. C'est les toutes ces nouvelles technologies, en fait, elles ouvrent des portes vers des choses qui paraissent tout à coup faisables, en fait. On se dit pourquoi pas, grâce à cette nouvelle technique, réussir à faire des effets spéciaux, à capturer ces images-là. Donc voilà, ça paraissait parfaitement logique à l'époque. Et puis après, ça a été instrumentalisé par plein de charlatans, forcément. Vous nous disiez donc qu'on ne va pas parler des photographies ça. On ne va pas du tout parler de ce genre de photographie, c'est un sujet qui est très connu, et moi je voulais vous emmener vers des contrées un peu moins connues. Je voulais avoir quelque chose d'un peu plus expérimental, de recherche de photographies plus authentiques, quelque part, que l'on pourrait qualifier de réellement paranormal, ou en tout cas d'essai sincère de capturer l'invisible. Alors c'est pas une mince affaire, parce que finalement essayer de trouver des photos authentiques un peu prouvées, c'est vraiment pas facile, surtout quand on essaye de remonter un petit peu dans le temps au tout début de la pratique. Donc voilà, je voulais essayer de vous présenter une chronique qui n'est cette fois-ci pas sur des subterfuges, mais aller du côté du réellement inexplicable et inexpliqué. Donc si vous vous en souvenez, dans le live de Parler avec les morts, je vous parlais d'une machine à photographier la pensée. Et donc cette fois-ci, on va pas s'intéresser à Monsieur Edison père, mais bien à son digne héritier de fils, pardon, qui avait un esprit modelé à l'image de son père, vraiment fourmillant d'idées et de débrouillardises. Et sa première invention, c'est donc cette fameuse machine à photographier la pensée. Car après tout, si on arrive à inventer une machine qui est capable de déceler le mensonge, pourquoi pas une machine qui serait capable de photographier la pensée? Donc on voit ici une sorte de chambre noire, donc ça reprend l'outil photographique de l'époque, hein, avec à côté une sorte de générateur électrique qui est relié à un casque qui est posé sur la tête. Il y a un long tube devant lui et on sait qu'il est possible que la machine ait induit l'utilisation de rayons X, qui était assez nouveau à l'époque. Et on sait que le sujet de l'expérimentation, là, il était censé se raser le crâne pour qu'il n'y ait pas d'interférence sur l'image. Mais de cette image-là, je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus, puisque, en fait, l'invention elle-même, on ne sait quasiment rien. On ne sait ni comment elle fonctionnait, ni de quoi elle était composée exactement. Mais il nous reste encore aujourd'hui une trace de l'effet qu'elle produisait. Notamment dans un article de la Revue des Revues en 1898, il y a un certain docteur Kaz qui décrit l'expérience de Thomas Edison fils. Donc, il avait dit à son sujet, un certain monsieur Fleming, de penser de la façon la plus forte et la plus tenace qui lui serait possible à un shilling, donc à une petite pièce de monnaie.
L'épreuve photographique obtenue montre une ligne ombrée de forme circulaire. Les détails de la pièce de Monet, face et revers, n'y apparaissent pas, mais la forme est bien celle d'un shilling et l'exagération considérable des dimensions doit être attribuée à la valeur qu'un shilling a pour le sujet qui était soumis à l'expérience. En gros, pour reformuler, avec cette machine, Thomas Edison fils aurait réussi à capturer la pensée d'une personne qui s'est concentrée à dire « je pense à un shilling, je pense à un shilling », qui va matérialiser le shilling dans son esprit, et la machine aurait été capable de rendre cette forme. Et une forme, bon, bah, on n'a plus cette photo, déjà, on peut dire. Désolé, je n'ai que la description de l'expérience. La machine est restée secrète. Là, le journaliste qui a écrit cet article et qui a fait ce dessin, je ne peux pas vous assurer qu'il ait réellement vu la machine. Il ne le dit pas, en tout cas, dans son article. Et Edison fils a gardé sa machine pour lui, ne l'a jamais exposée, probablement parce qu'elle n'a jamais vraiment fonctionné. Parce que cette expérience, il semblerait qu'elle n'ait pas été reproductible, malheureusement. Donc Edison, il n'est pas allé plus loin, ou il n'est pas parvenu à aller plus loin, mais l'année d'après, il y a un autre personnage qui va s'essayer à ces drôles de photos, mais cette fois, pour le coup, on a le résultat de ce que ça donne. Donc ce personne, c'est Monsieur Louis Darguet, et à la base c'est un militaire, mais en 1899, en fait, il va commencer à s'intéresser à la photographie, et en tant que fervent adepte spirit, il va particulièrement s'intéresser à la photographie fluidique. Donc la Maison européenne de la photographie, elle explique que la photographie fluidique, c'est, je cite, ça consiste à fixer sans appareil sur la personne une plaque sensible. Les fluides... Pardon, je reprends parce que ma phrase n'avait aucun sens. La Maison européenne de la photographie, elle explique que cela consiste à fixer sans appareil sur la seule plaque sensible les fluides émanant du médium. Donc la force vitale, l'âme, mais aussi les pensées, les émotions ou les rêves. C'est possible de faire remonter ce type d'expérience au début des années 1860, mais c'est surtout au tournant du siècle que la photographie fluidique se développe en se revendiquant de la légitimité scientifique des recherches sur le rayonnement. Donc la radioactivité et les rayons X. En gros, pour avoir ce genre de photographie, en fait, on va prendre une plaque sensible, photosensibilisée, qu'on va poser sur les doigts ou sur le front d'un médium, et on va obtenir ce genre de résultat. Ce que je trouve quand même assez impressionnant et surtout très joli. Il y a l'abbé Gombeau qui, dans son livre qui s'appelle « L'imagination et les états préternaturels », deux points, études psychophysiologiques et mystiques, qui nous explique. Donc un soir, pour avoir ces photos, hein, un soir, monsieur Tégrade, qui est en fait Darguet à l'envers, il avait pris un pseudonyme. Donc un soir, monsieur Tégrade se trouvait chez monsieur Avire, peintre et photographe à Tours. Il venait de boire un verre de vieille eau de vie, et comme il leur demandait, sous prétexte que cela lui donnerait du fluide, mais en réalité par simple gourmandise, monsieur Avire lui dit « Il faudrait tenter de représenter la bouteille par la pensée. » Ni l'un ni l'autre ne croyaient beaucoup à la possibilité de réussir l'expérience. Monsieur Tégrade monta au cabinet noir du photographe et, en pleine obscurité, après 5 minutes de pause, les 5 doigts de la main droite placés sur le verre dans la main, dans le bain révélateur, il obtint le cliché numéro 1. Et voici l'image. La première bouteille photographiée par la pensée. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette image ? Écoutez, moi personnellement, je ne vois pas grand-chose. Mais il n'y a pas la bouteille ? Ah si, c'est le truc noir, là. Ouais. Voilà. Ça pourrait aussi bien être un clou, quand même. Enfin, ou des choses... Je sais pas ce que les gens dans le chat en pensent. Est-ce que vous êtes convaincus par ce genre de choses? Est-ce que c'est vraiment une photographie de la pensée ou pas? Non, pas convaincu. Déjà, il y a un
petit décalage, donc on va attendre un petit peu. Mais j'ai vu What the fuck, c'est quoi ça, par exemple. On nous parle, Dean nous parle d'une, d'une bougie. Ah, peut-être que ça pourrait être une bougie, effectivement. Mais pour le coup, ils étaient en train de penser à leur bouteille avec un coup dans le nez, probablement. Rognon nous dit qu'elle ne voit pas du tout une bouteille. Alors, vous avez donc une forme noire qui est légèrement sur la gauche. Et après, ça semble dessiner un goulot au-dessus. Alors, je suis d'accord que c'est pas extrêmement probant. Maintenant, ça va trop vite. Je ne peux plus lire. J'ai vu passer Serge. J'ai vu passer... Attends. C'est de l'eau. Alors, je ne sais pas de quoi on parle, mais... ça pourrait aussi bien être la première saucisse, nous dit Madeleine. Effectivement. Et c'est, je ne sais pas quelle est la première saucisse et qu'est-ce que cela désigne, mais c'est vrai que ça pourrait être une saucisse, oui. Allons savoir. Je vais enlever cette image parce que ce n'est pas très photogénique. Je vais vous mettre vous, Manon. Bon, du coup, en réalité, en fait, les études, elles ont démontré qu'il s'agissait d'artefacts photographiques, c'est-à-dire que il y a des apparitions fortuites à cause des plaques qui n'étaient pas forcément très régulières, qui n'étaient pas bien nettoyées, ou alors avec les produits chimiques qui peuvent faire des réactions qu'on n'attendait pas, et qui peuvent donner, en fait, ces phénomènes-là qui produisent des sortes de pareidolies où on y retrouve un peu ce qu'on veut. Et Darguet, il était, je pense, réellement sincère dans sa démarche. Il voulait réellement essayer d'expérimenter autour de la photographie, de la pensée. Donc c'est pas un trucage. Par contre, c'était des photographies qui ont été faites de manière totalement fortuite, en fait. Donc finalement, on n'est toujours pas arrivé à photographier la pensée, mais je trouve que moi, ces images, je les trouvais vraiment très jolies, et qu'il y avait une certaine poésie qui se dégage de ces photos, une certaine beauté. Ce qui m'amène à parler d'un artiste photographe mexicain qui s'appelle Armando Salas Portugal et qui va, dans les années 60, créer ses photos. Attendez, j'ai perdu la dernière, ça va bien se passer. Où est la dernière? Voilà. Voilà, je sais pas ce que vous pensez de celle-là. Mais on dirait les trucs que les psychiatres, les psychologues les te montrent. Pour, voilà, tout à fait. Le mec de Watchmen, là, tout ça, ils te disent qu'est-ce que vous voyez là-dedans. C'est un peu ça, oui. Là, personnellement, je sais pas. On dirait un mélange de vagues et de feu, quoi. Ouais, t'as envie de partir en vacances, je suis psychiatre. non, ouais, je... Allons savoir. Vous voulez Alors, que je les remette un petit En fait, ces photographies-là, elles ont été réalisées grâce à un appareil qu'on va relier à un sujet et qui va enregistrer des ondes émises par le cerveau et ensuite traduire ces ondes sur du papier photographique sous cette forme-là. Il y a Clément Chéroux, dans une conférence pour le Centre Pompidou, qui souligne que cette série de photos, en fait, Armando Salas Portugal, il va l'appeler « photographie de la pensée avec un point d'interrogation ». Et donc, qu'on peut se demander si ce photographe, en fait, il croyait réellement à la capacité de la photographie à enregistrer scientifiquement la pensée, ou s'il s'agissait plutôt, plus simplement, pour lui de proposer des formes de représentation métaphorique de l'activité cérébrale d'un individu. Mais dans tous les cas, je trouvais que le procédé était vraiment sympa. Cool, ouais. Et que les images étaient encore une fois d'une très grande beauté. Donc au final, la question de cette photographie de la pensée, elle reste aujourd'hui en suspens. Et je trouvais ça assez fascinant d'aller toucher du doigt cette thématique dont se sont emparées pas mal de personnes. Et contrairement à ce dont on parlait il y a deux semaines du téléphone à parler avec les morts qui, bon, bah, paraît un peu... un peu improbable aujourd'hui. Là, cette thématique de la photographie de la pensée, je trouve qu'elle a encore largement sa place dans le questionnement scientifique. Parce que ça, c'est pas des photos paranormales, c'est vrai, mais c'est des œuvres qui sont voulues ou fortuites et qui sont, je pense, d'une grande beauté. Et peut-être qu'un jour, en fait, la science pourra effectivement donner une matérialisation précise de notre pensée. En dehors de la vision qu'on a aujourd'hui, par exemple avec l'imagerie médicale où on peut voir l'activité cérébrale, ça c'est quelque chose qui est faisable aujourd'hui et je pense que tu le dis à quelqu'un qui vit au 19e siècle et ça lui paraît de la magie totale. Et du coup cette question de photographier la pensée, bah,
à chercher. Je trouve que c'est une thématique qui paraît un peu paranormale aujourd'hui, mais qui pourrait s'avérer parfaitement probable dans quelques années. Voilà. Eh ben merci, merci c'est ouais. un angle intéressant, un angle effectivement assez intéressant. J'ai découvert plein de trucs que je connaissais absolument pas. Merci Obscurosity, on espère que sa chronique vous a plu. Les modos, n'hésitez pas à balancer son Instagram, voilà, parce qu'elle fait aussi plein de belles créations et elle donne aussi ce genre de petites anecdotes assez souvent. Et pour John Paquet qui me demande, c'est le confinement où tu assumes cette coupe de cheveux. Ah, si tu savais, on a passé un quart d'heure à essayer de me coiffer. Donc non, j'ai rendez-vous mardi. Voilà, j'attends. Non, mais j'attends impatiemment. Bah si, il faut. Non mais mec, rien qu'aujourd'hui, j'ai eu des commentaires. J'y peux rien, je suis obligé. J'ai eu des commentaires sur ma dernière vidéo qui parlaient de ma coupe de cheveux. Ouais, les gens me disent, ouais, non, c'est cool. Tes vidéos sont bien, mais avec ta coupe de cheveux, mec, c'était plus crédible. Non mais c'est bien. Moi, on en parle. Donc, moi, voilà, moi, j'ai toujours aimé les années 80 et les. Non mais apparemment ça passionne les gens, donc bon bah voilà, si vous voulez tout savoir, rendez-vous mardi, c'est super, j'ai hâte, voilà. Bon, j'espère qu'on aura un live Instagram de chez ton coiffeur. Ah bah une vidéo, non, une vidéo, tout, voilà. Les 10 meilleures coupes de cheveux de salaire, bon bref. bref, voilà, je le redis, n'hésitez pas à suivre Obscurosity sur son compte, elle fait plein de belles choses et on est ravis de l'avoir dans l'équipe. Pierre, tu veux peut-être enchaîner avec ta chronique? C'est vrai, je peux faire ça, si vous le souhaitez. Bah ouais, ah, vous avez vu ce soir, on attaque parce que on a un programme très chargé, hein, donc on enchaîne. Oui, mais ça va bien se passer. Ah, mais oui, ça va bien se passer. Alors, attendez, je me cale un peu parce qu'il y a 1000 fichiers dans notre petit logiciel de stream ce soir. Ah bah, photo, forcément. Alors, attendez, je vais me mettre en grand pour une fois. Où est-ce que je suis? Je sais plus. Ah voilà, je suis là. Excusez-moi. Hein, voilà. Ah, bonsoir. comme ça, vous pouvez... toi, tu peux te recoiffer, tout ça. ça va bien se passer. Alors, ce soir, moi, je vais pas vous parler de photos. Enfin, quoique presque. Mais je vais vous parler d'un tableau hanté. Parce que pourquoi pas, et des vidéos qui mettent en scène des phénomènes paranormaux liés à cette peinture. Alors, ce tableau, il s'appelle, peut-être que vous le connaissez, parce qu'on a dit que c'était un truc célèbre aujourd'hui, qu'on parlait de photos célèbres, donc aujourd'hui c'est un tableau dont on a beaucoup parlé, qui s'appelle The Anguished Man, soit en français, l'homme angoissé. D'accord. Et ce tableau, je vais vous le montrer immédiatement. Voilà, c'est on parle de cette œuvre. Ah. Et je sais que ça ressemble à un smiley qui crie, mais j'y suis pour rien. c'est là pour le coup, hein, vous savez, la dernière fois j'ai raconté que j'avais fait des fantômes, là j'y suis vraiment pour rien. donc voilà, on est sur ce tableau et son histoire, il appartient à un propriétaire anglais qui s'appelle Sean Robinson. Et c'est lui, d'ailleurs, qui a lancé la réputation du tableau en clamant haut et fort qu'il possédait un tableau totalement hanté par des forces obscures. Et voilà. Et selon Sean... attendez, je vais vous montrer la tête de Sean, quand même, parce que j'aime bien la tête de Sean. Où est Sean? Allô, voilà. Sean. Alors, nous avons Sean, voilà. Donc, Sean... Il est sympathique. Voilà. Moi, je pense personnellement, mais je peux me tromper, mais je pense que Sean aime bien la bagarre, mais ça n'engage que moi. Je pense juste qu'il est souvent en bande organisée. voilà. Donc, selon Sean, on entendrait, lorsqu'on est à proximité de ce tableau, des voix venues d'outre-tombe, des coups frappés, et le tableau aurait même provoqué des saignements de nez et des crises de panique à certaines personnes. Mais du coup, je pense que vous allez me demander, mais d'où vient cette œuvre maudite? Comment Sean, qui casse des gueules, a hérité de ce tableau. On ne sait pas. Et ben, en fait, c'est sa grand-mère qui lui a légué ce tableau. Attendez, j'ai une illustration de la grand-mère. Elle n'est pas tout à fait accurate, mais voilà. Donc voilà, sa grand-mère lui a légué le tableau. Et avant de décéder, sa grand-mère lui a expliqué que le tableau, elle l'avait gardé dans son grenier pendant 25 ans, parce que du coup, le tableau la mettait un peu mal à l'aise. Donc elle a raconté à Sean que depuis qu'elle possédait le tableau, elle voyait souvent une silhouette sombre, noire, plus ou moins, rôdait autour de la maison et qu'à la nuit tombée, elle entendait des bruits étranges et des pleurs qui venaient du grenier, là où elle avait planqué le tableau. Elle a
expliquer à Sean que l'artiste qui avait peint le tableau, on ne sait pas où elle se l'est procuré, hein, mais que l'artiste qui avait peint le tableau avait mêlé son sang à la peinture pour réaliser cette œuvre de grande qualité. Et voilà. Donc du coup, la grand-mère de Sean, pas de bol, elle meurt en 2000. Et du coup, Sean hérite de certaines choses, dont ce fameux tableau. Mais au début, il s'en fout un peu et il le laisse traîner dans son sous-sol, dans sa cave, on ne sait pas trop, pendant à peu près 10 ans. Et donc en 2010, Sean vraisemblablement est parti chercher une bière à la cave et il tombe sur le tableau et il se dit « Putain, en fait, il est pas mal ce tableau, est-ce que je le mettrais pas dans ma maison ?» Parce que j'ai envie de vous remettre le tableau quand même, parce que je ne sais pas si moi j'aurais envie de le mettre dans ma maison quand même. Moi si. Oui, alors moi maintenant oui. Pour la blague, mais sinon, oh, pff, je sais pas. C'est moi personnellement, ça va pas trop avec ma déco. Mais bon, vous faites ce que vous voulez. Du coup, bon, bref, il le remonte. Et à partir du moment où, en fait, Sean remonte le tableau dans la maison, il commence à se passer des trucs étranges. Alors, les premiers trucs, c'est que Sean et sa famille commencent à percevoir la fameuse silhouette sombre noire rôder autour de la maison. Et ensuite, il commence à entendre des bruits quand la nuit tombe. Et si vous en doutez, si vous êtes sceptique, vous ne devriez pas, car figurez-vous que Sean a créé une chaîne YouTube pour montrer les preuves de tous ces phénomènes paranormaux qui arrivent chez lui. Et ce sont des preuves totalement indémontables, comme vous allez le voir. D'ailleurs, j'ai été sur la chaîne YouTube de Sean, donc créée en 2010, peu de temps après la chaîne de Silarty Show. Mais il a beaucoup moins. Il a beaucoup moins d'abonnés. Vous pouvez voir, il a 16 000 abonnés malgré tout ce temps. Mais quand même. Elle est jolie, sa bannière, j'aime bien. Oui, bah oui, félicitons-le. Et voilà. Donc, on va regarder ensemble la première vidéo que Sean a postée. Je dis rien, vous allez voir. Je sens voilà. Un tourloupe pire. Non, mais c'est juste, c'est la première, donc on lui laisse. Voilà, le mec, il a un PC avec Windows 95, il a Windows Movie Maker et il poste une première vidéo pour parler des phénomènes qui se passent chez lui. Ok. Son, normalement il y a une musique de l'angoisse. Ah, non, on n'a pas de ouais, son. Ouais. Ouais, c'est chelou. Mais bon, bref, en gros, il explique son histoire dans sa vidéo. Et en fait, il ne se passe rien dans cette première vidéo qu'il a postée. Mais il explique que voilà, qu'il y a des. Enfin, il explique l'histoire que sa grand-mère lui a confiée. Il dit qu'elle s'est suicidée d'ailleurs, j'ai vu. Non, c'est l'artiste, je crois. Ah, c'est l'artiste. Qui est supposé s'être suicidé. Mais bon, enfin bref. Cette première vidéo, vous allez me dire que c'est plutôt décevant. Et mais bon, je voilà. C'est un début pour Sean, il vient d'avoir un PC. Donc, sans plus attendre, je vous propose de regarder sa seconde vidéo où il y a d'authentiques phénomènes paranormaux à 97% selon l'échelle de Jerry. alors, où est la seconde vidéo? Excusez-moi, voilà, elle est ici. J'espère que cette fois-ci, il y aura le son quand même. Ce serait bien. I'm going to record it for approximately. On a les sous-titres, il parle du coup, j'imagine. Bon, c'est dommage parce que du coup, là, ce qu'on est censé entendre, je sais pas pourquoi le son est pas passé, mais voilà, il y a un son de grattage. Bon, je vais avancer un petit peu, du coup, c'est pas grave. Il repasse le son parce qu'il est chaud. Voilà, on n'entend pas. Voilà, il y a une porte qui claque, mais selon Sean, il y a zéro courant d'air dans sa maison. Elle fait quand même bader, là, la peinture sur son mur et tout. Ouais, mais pourquoi elle est là, la peinture de... Claque pas la porte. Ah voilà. Il la monitor. Voilà, regardez sous vos yeux ébahis. La porte est en train de claquer. Et là, je pense qu'on est sur du paranormal à 72%. Ah, ils ont le son. Ah bah non, c'est moi, ils ont le son. Okay, c'est nous qui n'avons pas le son en retour. Ok, ah. Ok. Du coup, on se tait. Enfin bon, là, il nous le remet. Mais ça, c'est un petit replay. J'ai fait le montage hier soir très tard. Du coup, je.
Je crois que c'est des bruits encore, ouais. Ok, d'accord. Bon, écoutez, moi j'ai envie d'avancer. parce que voilà. Voilà. Bon. Il raconte, peu après que j'ai remonté la peinture du sous-sol, ma femme a senti quelqu'un lui caresser les cheveux. J'ai vu une sorte de brouillard se former en haut de mon escalier et disparaître aussi vite qu'il était apparu. Je rebrancherai bientôt ma caméra pour filmer d'autres phénomènes. Mais en attendant, la peinture restera enfermée dans ma cave. Donc Sean se méfie quand même. Et je vois bien que vous n'êtes pas convaincu. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qu'il vous faut. En vrai, blague à part, parce qu'en ce moment, je bosse sur un sujet sur les poupées hantées et autres objets hantés, voilà. Je prépare pas mal de vidéos pour la chaîne et il y a quand même, c'est très souvent, ce sont les mêmes mécanismes, en fait. Des gens qui entendent deux, trois petits bruits, qui se sentent mal à l'aise, ont des petites crises d'angoisse autour d'un objet, qui se mettent à le surveiller. On retrouve un peu les mêmes mécanismes, quand même, pour l'instant, donc, C'est vrai, et je ne vais pas donner mon avis. Mais... Ah non, mais oui, pour cette affaire, voilà, on va voir à la fin, mais je tenais à dire que ça suit un certain schéma, quoi. C'est bon, pas... Ouais. Mais bon. C'est pas non plus sorti d'un chapeau. Mais vas-y. Passons, sans plus attendre, à la troisième. Cette fois-ci, c'est bon, ça va être des phénomènes de ouf. Ou pas. Qu'est-ce qui nous a fait le pire? Voilà, ça c'est paranormal. Non, mais c'est... cherche pas, c'est paranormal. Voilà, c'est. Enfin, c'est une preuve. Pour moi, c'est. Donc, ils ont continué à sentir cette présence étrange, ces bruits inexplicables. Et du coup, après avoir tourné cette vidéo, son fils est tombé dans les escaliers. Il s'est pas trop fait mal, mais bon, il a senti que quelqu'un l'avait poussé. Du coup, il a remis sa caméra. Je vous ai fait une compile de plusieurs vidéos. Parce que, voilà. Il a remis sa caméra en place pour filmer d'autres phénomènes. Et là, attention, ça va être ouf. C'est quoi le bip Mais non, mais il n'y avait rien en fait. Y avait... Voilà. Là, quelqu'un qui court devant la caméra. Mais pas du tout, mais toi, tu... Ah là là, tu crois à rien, toi. Il y a vraiment quelqu'un courir devant. Attends, non, mais là... Ah, mais, là, par, là contre, tu... par contre, elle fait baser sa chambre. Hein. Wow. Ouais, c'est surtout qui pose un tableau comme ça chez lui. Mais bon, je... Non, mais il le monite, mais ça me choque pas. Il le surveille, quoi. Non, mais mec, t'as un tableau... Voilà, là, il y a de la fumée. Clope, Non, c'est de la fumée paranormale, mec. Qu'est-ce que tu vas inventer? Du coup, voilà, ça, c'est à peu près tous les phénomènes inexplicables que Sean a captés autour de ce tableau. Du coup, pendant plusieurs années, Sean ne poste plus de vidéos. Mais il en poste... Donc là, je vous ai dit, il a commencé en 2010 à enregistrer ces phénomènes. C'est seulement... donc, il les a à peu près publiés dans la foulée, quoi, dans la même année. Mais il attend 2017. Peut-être que l'intérêt baisse pour la chaîne. Allons savoir. 2017, il reposte une vidéo que je ne vous ai pas mis parce que déjà... elle est filmée comme ça, mais je vous ai quand même mis ce bel aperçu. Et je vais vous résumer ce qu'il dit dans cette vidéo. Il explique qu'une nuit, il reposte une vidéo après longtemps, quoi. Et il raconte ce qui se serait produit quelques jours plus tôt. Il dit qu'un soir, il a entendu des coups puissants frapper à l'intérieur de sa chambre. Parce qu'à ce moment-là, Sean avait mis le tableau dans sa chambre. Quelle drôle d'idée si on a un tableau hanté. Mais bon, du coup, il se réveille parce qu'il y a des coups frappés sur les murs. Partout dans la pièce, selon lui. Et ça dure à peu près 3 minutes. Tout d'un coup, ça s'arrête. Du coup, Sean, il se rendort. Le père Sean, il a la visite de son fils environ 20 minutes après qu'il se soit endormi. Donc, c'est un peu une nuit de merde pour notre ami Sean. Et son fils arrive et lui dit « Papa, c'est dans ma chambre, il y a des coups qui sont frappés partout. » Donc, il va avec son fils dans la chambre de son fils. Et évidemment, il constate le phénomène tous les deux. Mais au bout de quelques minutes, ça s'arrête à nouveau. Sean retourne se coucher, mais comme je vous l'ai dit, c'est une nuit de merde. Donc, à peine est-il rendormi que son fils revient et saigne abondamment du nez. Et Sean envisage même d'appeler les urgences, mais finalement, tout rentre dans l'ordre. Du coup, ça pourrait s'arrêter là, mais non.
Parce que on est donc en 2017, et en 2017, Sean décide de prêter son tableau à une équipe d'enquêteurs paranormaux qui vont l'amener dans un lieu, je crois que c'est un château, pour faire certaines expériences autour du tableau. Du coup, voilà, pendant qu'ils font les expériences, vous allez voir, ça dure pas longtemps, ils estiment, enfin ils établissent que... attendez, il me manque une vidéo. Ah. Ils estiment que... Non, mais c'est pas grave, ça va bien se passer. Ah, voilà, elle est là. Excusez-moi. Tout va bien. Voilà, je l'ai. Ils estiment que le fantôme s'appelle en fait David. Enfin, l'esprit qui hante le tableau. Okay. Qui dit ça? Les enquêteurs paranormaux qui ont emprunté le tableau à Sean. Ils sentent... Voilà, ils ont une intuition comme quoi le fantôme s'appelle David. Donc vous allez voir une vidéo de leur enquête paranormale où ils sont tous réunis autour du tableau posé sur un chevalet et où ils invoquent l'esprit de David pour lui demander de se manifester. Là, si ce que vous allez voir n'est pas une preuve, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Ça peut long, hein, mais ça va. Vous inquiétez pas. Slide it round for me. Voilà. Sous vos yeux ébahis. Ouais, c'est une blague. Non, c'est pas normal. Pourquoi elle fait genre qu'elle tombe? Parce que la force obscure qui a poussé le chevalet, là... Du coup, là, j'ai volontairement pas mis le son. Je vous explique qu'ensuite, il y a une émission de télé de Sci-Fi Channel. Donc, vous voyez cette belle reconstitution des propos rapportés par Sean. Une émission présentée par le capitaine Kirk de Star Trek, William Shatner, qui est venu sur place. Et attendez, je ne veux pas arriver au mauvais moment, mais il y a une médium qui, voilà, je crois qu'elle est là. Elle a défini, elle, que le tableau était en fait un portail vers une autre dimension. Donc là, elle est en train de l'expliquer. Hein. Donc c'est même pas une médium, c'est une psychiatre qui est en train de nous expliquer ça. Et là, ensuite, on a des mecs qui vont essayer de reproduire, des enquêteurs paranormaux qui disent on a envie d'y croire, mais on va quand même tester. Et voilà, ils essayent de reproduire les effets que Sean a filmés pour voir si Sean est de bonne foi. Et ils y arrivent. Voilà. Ah bon? Waouh! Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est à peu près pareil. Voilà, c'est malheureusement. Alors, sachez que cette affaire a fait couler beaucoup d'encre, que beaucoup de gens en ont parlé. Il y a beaucoup de youtubeurs anglophones qui ont fait des vidéos dessus. J'ai vu un youtubeur francophone faire une vidéo dessus, j'ai oublié son nom. Mais il est sympa. Et du coup, vous avez vu là toutes les preuves. Il y a beaucoup d'autres histoires qui circulent. J'en ai lu, mais j'ai pas trouvé d'autres vidéos, donc je pense qu'il y en a pas. Sean a prêté le tableau à plusieurs équipes d'enquêteurs et de parapsychologues qui affirment avoir constaté de nombreux phénomènes inexpliqués liés à cette toile. Et Sean a raconté d'autres incidents de type voilà, des gens qui saignent du nez, des crises d'angoisse, et voilà. Mais Je ne vais pas vous donner mon avis, même si je pense que je ne suis pas très subtil et que vous avez tout à fait compris ce que j'en pensais, mais s'agit-il d'un tableau authentique, d'un tableau hanté authentique, ou Sean a-t-il inventé cette histoire de toute pièce après avoir trouvé un tableau tout pourri qui fait peur dans la cave de sa grand-mère, peut-être pour faire le buzz sur Internet, sachant que, je pose ça là, les droits de son histoire sont vendus à un studio de production qui devrait en tirer un film à un moment ou à un autre, sachant qu'en même temps, le studio a un peu mis la clé sous la porte. Mais bon, c'est à vous de voir, voilà. Je ne sais pas. Merci Pierre pour ta chronique. En vrai, ce qui est intéressant, c'est que ça ouvre quand même la question de toute cette mécanique aux États-Unis, quoi, des objets paranormaux qui sont d'ailleurs,
C'est... Nous sommes en Angleterre. Hein. Ah, c'est en Angleterre. Ouais, ok. Ouais, ouais. Mes excuses, mais enfin, ça rejoint un peu le. On retrouve quand même ce même schéma dans le monde anglophone du tableau ou de l'objet qui est découvert des fois dans un grenier, récupéré. On dit qu'il est hanté. Il y a des gens qui disent qu'en le regardant, ils se sentent pas très à l'aise, etc. Moi, ce qui m'intéresse toujours dans ce genre de cas, bon, alors effectivement, celui-ci. Bon, voilà, on a tous vu les images. Je trouve que effectivement les preuves vidéo sont au mieux bidonnées. Hein. Enfin, surtout sur quand on le voit quand même courir devant la caméra, le mec. Bon, voilà. Je vois pas de quoi tu parles. Mais non, mais bon, ce qui est quand même assez curieux, c'est qu'en comme procédé, c'est qu'en général, ils font effectivement appel, enfin certaines personnes à des groupes, notamment des groupes d'enquête du paranormal, qui elles-mêmes sont en contact avec des médiums. Et ces mêmes médiums, en général, c'est assez fréquent quand on parle d'objets hantés populaires, qu'on nous dise tel objet est hanté par tel ou tel ou tel ou tel esprit, des fois avec des preuves, des fois juste sans preuves, et il faut s'en tenir au témoignage. Mais c'est vrai que moi je suis assez fasciné à chaque fois par cette capacité à instaurer tout un lore, un background, une histoire, quoi. Une toile de fond qui est accrochée à un objet qui lui donne une aura, quoi. Alors qu'en tant que tel, sans rien savoir de l'objet, tu vas te dire ouais. Moi, ce qui me fait pencher sur la thèse de l'escroquerie, enfin en tout cas du truc malhonnête, c'est le mec a tout de suite créé une chaîne YouTube, il a créé une page Facebook. Pour moi, c'est quelqu'un qui a trouvé un tableau, il s'est dit, putain, il fait flipper le tableau. Parce que même dans les premières vidéos qu'on voit, je sais pas, le tableau, il est censé l'avoir accroché chez lui. Tu prends pas un tableau comme ça et tu le poses sur un bout de meuble. Je sais pas, ou alors c'est que t'as vraiment très mauvais goût. En même temps, je sais pas, c'est Sean. Mais voilà, enfin, pour moi, le mec a senti un truc, il s'est dit, enfin, a senti un coup qui pouvait se faire et parce que, il a tenté 3 effets pourris. Il a vapoté en dessous, il a couru devant. Vous n'avez pas entendu les sons du coup, mais je pense que dans le chat ils ont entendu, mais on entend des gargouillements de ventre. Hein, à mon avis, il était en train de boire une bière à côté du tableau et ça fait. Ouais, putain, vas-y, j'enregistre. C'est un phénomène paranormal de ouf à 97% sur l'échelle de Jerry. Mais voilà. Pour moi. Il n'y a pas de doute sur cette histoire. Ceci étant, vu la gueule du tableau, qui est bon, une mauvaise copie du cri de Munch, je crois, le tableau était flippant, il était inspirant, et ça donnerait certainement un bon film s'il était bien réalisé, malgré. Il faudrait que les effets spéciaux soient un tout petit peu mieux faits que la reconstitution. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Bah, Pierre, merci pour cette chronique. Et avec joie. Toujours tout en humour avec Pierre. Je suis là pour ça. C'est l'instant rigolade du live. Je veux pas être l'instant rigolade. Non, enfin, on apprend en s'amusant avec toi, Pierre. Voilà. Ça casse le côté peut-être un peu trop scolaire que je peux avoir. Là, tu m'as regardé avec des gros yeux, toi. Je parle pour moi là, oh ça va, c'est incroyable ça. Tout le monde se sent visé. Oui, on a bien compris. Est-ce que tu as une actu, Pierre? Alors, est-ce que j'ai une actu? Bah ouais, demain je passe. Mais enfin, ouais, demain je passe un film avec. Je peux pas dire le pitch parce qu'il est trop hardcore exactement, mais. Il y a une femme qui subit des violences à un moment au début du film et qui se suicide par la suite et qui va revenir d'entre les morts transformée en cyborg pour se venger des hommes qui lui ont fait du mal. Ça s'appelle Cœur d'acier, c'est sorti à la fin des années 80, non, au début des années 90. J'en avais jamais entendu parler avant il y a quelques années et franchement, c'est très rigolo. Bah enfin, c'est très rigolo. C'est très divertissant dans le sens où les hommes qui lui ont fait du mal vont prendre très très cher. Et voilà, moi j'aime bien j'adore les films de vengeance quand les gens, en tant que spectateur, tu les regardes, tu dis mais lui il mérite tellement de prendre cher et qu'il prend cher, c'est agréable. C'est demain sur ta chaîne Twitch, le Twitch de la Grotte Chaude, si on peut, voilà, Rognon qui l'a mis à 21h, n'hésitez pas. On va donc passer à ma chronique où cette fois-ci je vais vous présenter cette affaire de photos réputées paranormales et extrêmement célèbres. Il y aura vous allez voir, je pense que vous allez être assez surpris. La première est assez longue et ma conclusion, la dernière, sera aussi assez longue et entre, puisqu'il y en a 7 quand même et que le live, faut pas non plus qu'il dure 4 heures,
Bah, vous allez voir, je pense qu'on va quand même passer en revue pas mal de choses. Ça va du fantôme jusqu'au cryptide. Et on va attaquer tout de suite. Hop, tac, je prends juste mon script sous les yeux. Et vous me dites hein, quand il y a des images à insérer. Ouais, bon, ça va, on va attaquer tout de suite. La première photo que je vais vous passer, c'est le fantôme du Tulip Staircase, l'escalier de la tulipe. Me semble-t-il que c'est Mara qu'on a accueilli dans le deuxième live de l'étrange qui nous en avait parlé. Ouais. Et effectivement, elle est vraiment, elle a ce qu'on appelle le nightmare fuel, quoi. Elle est vraiment assez effrayante. C'est une photo qui dégage quelque chose. Voilà. La voilà, cette photo. Elle est magnifique. Pour les auprès des internautes, elle est jugée comme voilà une des photos les plus intéressantes du paranormal. Ce qu'on sait sur elle, il y a une petite histoire qui est associée. Donc en fait, le révérend Ralph Hardy, qui est un ecclésiastique à la retraite originaire de White Rock en Colombie-Britannique au Canada. Alors lui, en fait, il visitait la Queen's House au National Maritime Museum de Greenwich en Angleterre en 1966, lorsqu'il a pris une photo du coup de cet escalier en colimaçon qu'on voit sur la photo, qui est connu sous le nom de Tulip Staircase. Ralph, il est ensuite rentré chez lui, il a fait développer ses photos, et il a découvert avec surprise cette espèce de présence spectrale sur la photo, qu'il est incapable d'expliquer, puisqu'il n'y avait personne quand il a pris la photo, et on dirait vraiment voilà, qu'on distingue quelque chose d'assez fantomatique, la tête penchée. Moi, je trouve à titre personnel qu'elle a un petit côté Nazgûl, cette photo est extrêmement effrayante. Il la montre à sa famille, qui constate également la présence sur la photo. Et il décide d'envoyer les négatifs originaux au Ghost Club. Et alors, le Ghost Club, c'est un cercle de chasseurs de fantômes qui a été fondé à Londres en 1862. Donc, comme quoi, les chasseurs de fantômes, ça ne date pas forcément de l'ère du numérique. Il y a un des membres du Ghost Club, un certain monsieur Hector McQueen, qui a un cousin qui vit à Vancouver, Canada. Et qui du coup va contacter les Hardys au sujet de la photo, afin d'en savoir un petit peu plus. En 1967, les Hardys retournent en Angleterre, et ils ont un long entretien avec McQueen du coup, afin d'échanger sur la photo et de mener une espèce d'enquête. Et au cours de l'entretien, il y a les faits suivants qui ont été établis sur la photo. Tu peux nous la remettre si tu veux, Pierre. Avec joie. Donc, la photo a été prise un jour clair mais nuageux, ça a été vérifié auprès du bureau météorologique du centre météorologique de Londres, vers 5 heures. L'appareil utilisé, c'était un Zeiss Icon Contina avec objectif Prontor SVS Zavar Anastigmate. Ok, bon, on a la focale, c'est un 45 mm, avec un filtre à brume auxiliaire, entre guillemets, lucarne. Le film qui a été utilisé pour prendre la photo, ça c'est intéressant, c'était un Kodachrome X, film couleur 35 mm, avec une vitesse de 64. La lumière qui a été utilisée au moment de la photo, c'était la lumière du jour, ainsi que le candélabre électrique qui apparaît aussi sur l'image, me semble-t-il. Éloigne-toi un petit peu de ton micro, pardon. On nous dit qu'il crache. Je l'avais déjà éloigné, mais apparemment, je crie toujours trop fort. Tu peux nous remettre la photo ? Avec joie. Donc il y a le... J'arrive. On a la lumière naturelle et celle du candélabre qu'on remarque du coup au-dessus là, qui illumine, enfin qui se fait clairement saturer, enfin qui surexpose l'image, pardon. Il n'y a aucun flash ou projecteur qui a été utilisé. Et un autre fait intéressant, donc en plus du film utilisé, retenez bien ce détail, l'ouverture et le temps d'exposition ne sont pas exactement certains. Mais l'ouverture, elle était autour de F4 et le temps d'exposition était probablement d'environ 4 à 6 secondes. Chaque photo sur le rouleau a été comptabilisée par un numéro. L'image juste avant l'image du fantôme, c'était celle de la colonnade à l'extérieur du bâtiment. Et celle qui suit, c'est celle d'une figure de proue. Il y a donc ni l'une ni l'autre des photos qui n'a de ressemblance avec cette photo-là. Il y a eu une seule prise et une seule réussite, à en juger par les détails. Le négatif de l'image a été soumis au laboratoire Kodak. Leurs techniciens ont conclu que l'image n'avait été altérée d'aucune façon et que la seule explication était que quelqu'un était sur l'escalier. Certains avancent que le fantôme pourrait être celui d'une domestique qui serait morte sur les escaliers il y a 300 ans. Il y a quelques pistes d'explication. Avant ça, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? J'ai une question à te poser parce que je ne suis pas sûre de lire la photo comme il faut. Je ne sais pas si je suis la seule, mais c'est une photo qui est de dessous et on voit les escaliers. Alors attends, remets-nous la photo. Oh, oh.
C'est une photo qu'on voit le dessous des escaliers. Oui, oui, c'est ça. Oui, blanc. Oui, bien sûr, oui. Oui, c'est un escalier. Et ça, ça monte oui, au-dessus de nous. Absolument. Parce que j'étais pas sûre, j'avais l'impression que le côté blanc, c'était les. Ah non, et qu'il était du côté, ouais, qu'il était du côté escalier. Non, non, c'est. Ok, donc je suis. Et bah, pour moi, ça m'a l'air d'être un temps d'exposition un peu trop lent et quelqu'un qui monte et du coup, on voit deux fois son bras. Pierre. Pierre. Oh, bah. Oui, enfin moi aussi, pour moi, c'est ce genre de truc. Après, je m'y connais très peu en photo. Donc, ouais, non. Pour moi, c'est un truc. Enfin, je pense que c'est quelqu'un qui a glissé sur la rampe. Et comme tu l'as dit, c'est ça, le temps de prise de photo est entre 4 et 6 secondes. Ouais. Ce qui est énorme, en fait. Hein, bah ouais, t'as le temps de faire. Comme ça. Enfin, c'est ce que moi, j'aurais fait en tant que personne qui simule des fantômes. Il n'y a pas quelqu'un qui monte, qui se tient à la rampe. Et du coup, on voit. La première fois, il fait un pas et on voit sa main qui est tenue à la rampe. Il monte quelques escaliers en plus et il y a sa deuxième. La deuxième fois où il remet sa main sur la rampe, qui est capturée. Mmh. Et du coup, c'est un peu flou parce qu'il y a, le mouvement entre les deux. C'est incroyable parce que moi, en fait, au début, première fois que j'ai vu cette photo et jusqu'à là maintenant, en fait, je croyais qu'on était sur les escaliers et que derrière la rambarde, il y avait quelqu'un qui était comme ça, enfin, avec les deux mains et... comme si ça bougeait. En fait, j'avais pas du tout vu la photo, elle était dans l'autre sens. Moi, je l'ai toujours vu en tant qu'escalier à collimation en forme de spirale qui monte comme ça. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai toujours vu. Après, c'est moi qui la vois différemment, hein, mais pour moi, la lecture, elle est comme ça, quoi. Non, mais je pensais qu'on était, que le photographe était sur les escaliers, que du coup, en face de lui, il y a la rambarde, et pas qu'il était en dessous et qu'il voit la rambarde comme ça, tu vois. Enfin, bref, c'est peut-être juste moi. Et ben, en tout cas, pour vos théories d'explication, vous êtes plutôt sur la bonne voie pour expliquer cette photo, parce que, encore une fois, elle reste à ce jour inexpliquée, on n'a pas de conclusion définitive. Mais ce qui est intéressant autour de cette photo, du coup, c'est également sa narration, parce qu'il y a beaucoup de détails qui ont été donnés. Il y a quelques erreurs en fait quand on s'y intéresse un peu. Hein. C'est une photo qui a beaucoup fait parler d'elle et il y a des internautes qui ont relevé des erreurs tout simplement. Parce qu'encore, comme je le disais, le film Kodachrome X, c'est un. En fait, quand on regarde, vous pouvez regarder sur Google, il y a le numéro exact du produit. C'est un film qui est transparent. En gros, si vous préférez, c'est une espèce d'effet diapositive. Et du coup, il n'y a pas de négatif par rapport à ce film-là. Donc, ils ont jamais. Il est impossible qu'ils aient envoyé les négatifs et que les négatifs aient été analysés. Et en fait, avec tous ces détails dans l'histoire, elle fait que l'image montrée soit en noir et blanc, alors que du coup, elle devrait être en couleur, on peut se poser des questions. Ouais, j'allais te demander. Elle devrait être, normalement, elle devrait être en couleur. Si, encore une fois, la narration associée à cette vidéo telle qu'elle est connue est exacte. L'image, elle a effectivement pas été altérée parce qu'elle avait pas forcément besoin de l'être. Parce qu'en regardant un peu la photo et en prenant en compte ses caractéristiques, effectivement, il y a un intervalle du coup de 4 à 6 secondes. Comme vous l'avez dit, c'est un laps de temps pendant lequel la caméra, normalement déjà, si vous regardez la photo, elle doit avoir été placée sur soit un trépied, soit une surface qui est plane et assez stationnaire, puisqu'on peut voir que les bords de l'escalier sont clairement pas stables et un peu, voilà, on peut rien poser dessus. Ensuite, il faudrait du coup que, comme l'a dit Manon, quelqu'un monte l'escalier, ses mains restent un peu à un endroit pendant qu'il monte, puis ensuite il bouge ses mains un peu plus loin en continuant de monter la rampe, et il les fait glisser sur la rampe pour refaire la même chose et créer en fait un effet de mouvement, et cet effet de mouvement qu'on voit là, il s'appelle aussi ghosting en photographie, voilà, ah, c'est un effet qui est comme assez... Comme par hasard. C'est un effet qui est assez sympa, assez joli, qui peut permettre aussi de faire des photos assez artistiques, sans forcément essayer d'aller chercher des photos paranormales, hein, même en tant que... On sait de quand, excusez-moi de vous interrompre, Sailor, mais on sait de quand date le terme ghosting ou pas? Alors là, tu me poses une colle, je sais pas si certains le savent dans le chat, mais je sais même pas si c'est... Est-ce que c'est un terme officiel ou que les photographes emploient pour vis-à-vis de cet effet, je saurais pas dire. En tout cas, voilà, c'est un effet qui est tellement connu qu'il a un terme propre pour les photographes. Du coup, ça permet aux mains de se montrer, tandis que ben, lui, il a vraiment un effet un peu de fantôme, puisque les mains restent fixes, il évite de trop les bouger, alors que lui, il bouge son corps. Et du coup,
pendant l'intervalle et que la photo se fait, et ben ça donne cette espèce d'impression de mouvement et donc de forme spectrale qui se crée. C'est une piste d'explication qui est probablement la plus probable, mais à ce jour, cette photo demeure cependant inexpliquée. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une photo de fantôme authentique ou bien de trucage? Bon, bah, c'est à vous de voir. Nous, ah. C'est à vous de voir. En tout cas, voilà, je pense qu'on a, en termes de pistes d'explication, ça paraît être les plus probables. Si vous avez d'autres pistes en chat, n'hésitez pas. N'hésitez pas à les balancer. Il y a moyen que le mec ait été sincère et que juste, il a, au moment de développer le truc, il a vu qu'il y avait cette forme et en fait, il se souvient pas qu'il y avait quelqu'un qui montait à l'escalier à ce moment-là et. Non, c'est possible. En vrai, il y a beaucoup d'explications possibles. Et en fait, moi, ce que je trouve bizarre, c'est que ces détails sur cette photo et sur cette histoire sont repris un peu partout. C'est un peu galère de trouver, de remonter véritablement aux sources. Enfin, après, j'ai peut-être pas cherché comme un grand expert, mais c'est hyper compliqué de trouver des documents d'archives ou quoi que ce soit qui pourraient un peu légitimer les détails de l'histoire. Parce que le fait qu'il y ait des erreurs aussi grossières comme par exemple sur cette histoire de négatif, ça pose un peu la question, quoi. Alors j'ai regardé, effectivement, il n'y a pas de négatif. Par contre, tu peux quand même analyser la pellicule et c'est peut-être juste quelqu'un qui ne s'y connaissait pas qui a dit « Oh, ils ont pris le négatif pour l'analyser » alors qu'en fait, il parlait de prendre la pellicule. Surtout qu'apparemment, c'est de la trichromie, donc du coup, tu as plusieurs couches, entre guillemets. Donc tu peux en avoir une en noir et blanc, c'est pas impossible. Enfin... Bon, quoi qu'il en soit, en tout cas, indépendamment de l'explication, je trouve que ça reste une très très belle photo. Du coup, merci Mara pour la découverte. Hein, et c'est, je trouve, une de celles qu'on peut le plus se représenter quand on pense à des photos de fantômes, effectivement. Elle a un côté très inquiétant. La deuxième photo, c'est celle du fantôme de Lord Combermere. Cette photo, du coup, elle est supposée représenter le fantôme d'un homme qui était enterré à plusieurs kilomètres de distance au moment où elle a été prise. Je sais pas si vous le voyez, il est au niveau du siège, là. On distingue un espèce de vieil homme. Ouais, si, on le voit, ouais. Peu de temps, donc Lord Combermere, il a été écrasé et tué par une voiture à Londres en 1891. Peu de temps après, le photographe amateur Sibel Corbett prend cette photo dans la bibliothèque de l'abbaye de Combermere, la demeure du coup du défunt Lord. Il a fallu environ une heure pour que Corbett expose l'image, et quand elle est apparue... Quand elle lui a apparu, elle a révélé un homme ressemblant à Combermere assis dans son fauteuil préféré. Mais si on regarde de plus près, ses jambes sont sur la photo invisibles ou absentes. Ceux qui racontent l'histoire disent que ça peut être une réminiscence de son accident de voiture puisqu'il avait les jambes broyées. On ne sait pas. En tout cas, on voit, voilà, on distingue effectivement cette figure-là, quoi. Mais t'as une photo du monsieur pour savoir s'il ressemblait vraiment. Enfin, j'ai du mal à voir son visage. Alors, j'ai pas pris la photo de. Alors là, tu vois un espèce de. On voit un espèce de trépied qui ressemble à un éclairage, tu vois, en plein milieu du. Eh ben, on voit son. Enfin, moi, je distingue son visage, une barbe. Ouais, on dirait qu'il y a une barbe. C'est marrant, elle est... Puis surtout la main, en fait, qui est sur la coudoir. On a vraiment l'impression de voir une main sur la coudoir. Ouais, on a effectivement l'impression de voir une main assez nette, alors que le reste est un peu plus flou. Ouais, c'est troublant. Il y a des photos de Vicomte, de Combermere, etc. Ça a été pris quand, ça? Alors, ça a été supposément pris en 1891. Ok. Juste un peu après la mort de ce lord. Donc voilà, là-dessus, des avis. Bah, si c'est 1891, double exposition. Malheureusement, je suis désolée, je... Pas trop magique, mais... Ouais, moi, je suis... Enfin, j'ai pas les termes techniques. Excusez-moi, j'ai un problème technique. Merci. Merci. Donc oui... Je disais, donc oui, non, j'ai pas les termes techniques, mais ouais, pour moi, c'est très possible que ce soit faux, quoi. Enfin, je sais pas, on dirait, regarde, je parlais des, enfin, je sais pas pour revenir à ma chronique, mais sur ce mec qui avait un caméscope, un tableau, et qui a fait les petits effets qu'il arrivait à faire dans son coin, pour moi, ben voilà, t'as un mec, il a un appareil photo.
Il a envie de faire un effet, il teste des trucs, quoi. Surtout qu'on est au début de la photo, voilà, il se dit, ouais, j'ai envie. Enfin, vous savez, moi j'ai fait la blague du fantôme, donc je me mets dans la place de cette personne. J'ai envie de faire croire qu'il y a un fantôme chez moi. Enfin, voilà, je vais faire ça. Après, le seul truc, enfin le seul détail qui est un petit peu étonnant dans l'affaire, c'est qu'il, bah, c'est dommage qu'on n'ait pas la photo, mais c'est que la personne. Qui est en surimpression, je sais pas comment on dit, ressemble à quelqu'un qui est vraiment décédé peu de temps avant, à des kilomètres de là. Ça, c'est le détail troublant, mais est-ce qu'on sait vraiment Ouais, si après. c'est pas la légende qui a été construite autour? Ça peut complètement être la légende qui est construite autour. Manon parlait de double exposition. C'est pour ça que là, moi, dans ma chronique, on va vous passer les photos et je vais pas trop insister sur les pistes d'explication parce qu'après, c'est souvent les mêmes. En fait, c'est soit, parce qu'on peut expliquer quasiment chaque photo en disant soit double exposition, soit jeu avec l'intervalle, soit il y a des problèmes dans la narration de l'histoire, quoi. Mais effectivement, ça peut largement être une double exposition. Pour ceux qui ne savent pas, la double exposition, en gros, c'est quand on a une plaque photographique, on peut l'impressionner avec de la lumière, donc avec une image, pendant un laps de temps, qui fait qu'il y a le début de l'image qui commence à être fixé sur la plaque, mais on l'enlève. Et après, on change de vue, donc on met l'appareil photo autre part, on prend cette même plaque avec déjà le début de la première impression avec la lumière. On la remet sur une autre vue et du coup vous avez les deux images qui vont se superposer et la première qui n'a pas été impressionnée suffisamment longtemps, ça donne une impression de transparence. Et c'est comme ça qu'ont été faites toutes les photos spirites à l'époque. Alors par contre, ça peut être un trucage, mais ça peut être totalement fortuit parce que si tu nettoies mal ta plaque et que tu as une ancienne photo qui est restée dessus et que tu la nettoies mal avec tes produits chimiques, ben tu peux te retrouver, et en fait c'est comme ça que c'est arrivé la première fois. Tu peux te retrouver avec cet effet de double exposition sans t'en rendre compte et tu te dis oh là là, il y a un fantôme. Enfin, c'est pas forcément malhonnête Oui, quoi, non, bien comme sûr. procédé. Bien sûr, mais enfin voilà, moi je trouvais cette photo assez sympa, et pareil, elle fait partie des plus célèbres, on va dire, donc je tenais Mais très à cool. vous la montrer. Est-ce qu'on peut la revoir un petit dernier coup? Je sais C'est, du coup, pas. cette fois, allez, s'il te plaît, Pierre. Parce que, en vrai, si c'est de la double exposition, c'est vachement bien fait, quoi, parce que ça tombe pile, soit c'est totalement un hasard. Mais là, que ça tombe pile sur le fauteuil et sur l'accoudoir, je trouve ça assez marrant. Après, par contre, il a l'air très petit, le monsieur, par rapport au reste du décor, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc, Ouais. on dirait qu'il est beaucoup plus J'ai pas loin. l'impression qu'on voit ses jambes du tout, d'ailleurs. Ouais. Non, on voit pas ses jambes. Alors, si tu. Ouais, enfin, après, c'est de l'appareil Dolly, quoi. Mais si tu vas chercher vers le bas du pied, là où t'as l'espèce de rotule et ça se divise en trois, on dirait qu'il y a une espèce de forme un peu Ouais, rose. franchement, moi je vois Ouais, rien. Là, ouais, fin, là, ouais. au niveau des pieds, ouais, enfin. C'est compliqué, quoi. Puis le mec qui ressemblerait en fait à cette époque-là, un vieux avec une barbe, franchement, ça peut être la photo d'un peu Et n'importe alors qui, moi quoi. j'ai une question, est-ce que à l'époque les photos étaient aussi surexposées que ça? Parce que là les lumières, les sources de lumière sont hyper vives. Enfin, vous voyez, Alors, y a moi. sur le côté droit de l'image, on a vraiment, enfin, on distingue rien. En fait, ça dépend sur quoi elle a été faite, parce que là, en fait, je sais pas si c'est sur plaque de métal ou si c'est sur papier. J'ai oublié les dates, mais je suis pas sûre que le celluloïd existe déjà à cette époque-là. Ça peut être sur du papier. Et en fait, juste pour qu'on la numérise, pour qu'on la retransmette, des fois, il y a des reproductions, comme tout à l'heure, en fait, le point de vue du gras que vous avez vu sur plaque métallique, et qu'on peut reproduire en noir et blanc pour que ce soit plus visible. C'est peut-être ce procédé-là qui a donné ces grosses parties de lumière. Mais là, pour le coup, je sais pas. Et par rapport à cette photo, il y a la grande légende du coup que je vous ai contée. Pareil, j'ai essayé de trouver Tu d'autres nous as sources compté. que je vous ai contées. J'ai essayé de trouver d'autres sources un peu plus détaillées, un peu plus historiques, on va dire, tout simplement pour creuser un peu le lore. C'est vrai que c'est assez délicat de trouver. Enfin, c'est pareil hein, sur des infos sur des photos qui sont aussi anciennes. C'est sur certaines, c'est parfois assez compliqué. Mais quoi qu'il en soit, voilà, je l'ai trouvé très très sympa. La troisième sur sept, du coup, Ah. c'est celle. Alors, on était obligés, voilà. On sait, on sait, on Je sait que vous l'avez vu et revu. C'est celle de l'enfant d'Amityville. Et j'ai pas mis de montage sais. avec Pierre. J'ai été Ouais, gentil. je t'en remercie. Donc, Même si celui fait pas reniement. l'enfant Très d'Amityville, bien. elle a été prise par l'équipe d'enquêteurs Elle est terrifiante, qui hein. mène l'investigation
dans la maison des Lutz, que les Lutz ont fui avec précipitation. Elle a été prise dans la maison d'Amityville en 1976, et c'est devenu l'une des photos paranormales les plus célèbres de tous les temps. Même moi, quand j'étais très petit, je voyais cette photo assez souvent sur Internet, et elle me faisait vraiment peur. Voilà, vous comprenez aussi, les photos que je vous présente là, ce sont surtout des photos qui m'ont marqué. Mais il fallait pas laisser un accès à Internet comme ça à un enfant. Écoute, voilà, on voit ce que ça devient, hein, c'est terrible. C'est terrible. Donc on y voit, sur la photo, on voit ce qui semble être un jeune garçon aux yeux blancs qui regarde par une porte. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, les copains d'Occulture là ont fait récemment une vidéo sur Amityville et ils en parlent un petit peu aussi de cette photo. Et ils disent notamment, effectivement, que George Lutz a révélé la photo du garçon fantôme d'Amityville dans une émission de télé, Merv Griffin, en 1979, 3 ans après sa prise, donc il l'a gardé pendant 3 ans avant de rendre cette photo publique, et c'était lors d'une campagne de promo. Voilà, c'était pour faire c'était pour faire une promo. J'ai vu, c'était le film ou le livre, mais parce que ça a tellement été un business cette affaire. Mais donc, c'est la première fois où elle a été diffusée, et il y a une deuxième photo que tu peux mettre où on voit on voit un peu mieux l'enfant. C'est une photo qui est authentique, hein. Il y a bien cette forme qui a été capturée. Là-dessus, rien à dire. Elle aurait été capturée par Jane Campbell, du coup, photographe professionnelle, qui faisait partie de l'équipe qui a travaillé avec les enquêteurs paranormaux, et notamment les Warren, sur ce cas. Jane, en fait, il avait mis en place une caméra automatique qui prenait des photos infrarouges pour capturer une présence pendant la nuit. Les autres photos sont dispo, hein, d'ailleurs. Bon, bah voilà, ce sont des photos de la maison qui sont vides, où il y a rien de particulier, mais qui restent intéressantes à regarder si on s'intéresse à l'affaire. Ça pose en tout cas un décor assez sympa. Et en fait, il était équipé d'un film en noir et blanc, et son appareil photo a donc capturé cette photo du garçon fantôme d'Amityville. Alors, il y a eu plein de rumeurs autour. Il y en a qui disent que c'est le fantôme de l'enfant assassiné, John DeFeo, tué par Ronald Jr., hein, qui avait vécu dans la maison avec sa famille avant les Lutz, du coup, avant que les Lutz n'emménagent. L'une des pistes d'explication qui revient fréquemment, hein, qui est peut-être la plus probable si on essaie d'expliquer cette photo rationnellement, c'est que ce serait tout simplement l'un des enquêteurs, Paul Bartz. Alors, j'ai pas sa photo. Je suis désolé, j'ai pas pensé à la mettre, mais en fait. Si, je crois qu'on l'a. Tu l'as, tu penses? Non, ouais, c'est lui, non? Ah, pardon. Parce que Paul Bartz, il a un aspect juvénile, on est moyen sur le juvénile, là, je pense. Pardon. On commence à être limite. En fait, avec son aspect juvénile et le fait qu'il soit penché, parce qu'on dirait un peu, on peut imaginer quelqu'un de penché à travers la porte, on peut se dire qu'il aurait pu passer la tête par la porte au moment de la photo, créant malgré lui cette célèbre photo du paranormal. Il avait des lunettes? Il avait des lunettes, absolument, et une chemise à carreaux. Donc, en fait, oui, ça pourrait être la réflexion des lunettes. Enfin, ça pourrait être... Ouais, j'avais jamais vu, en fait, la photo zoomée en si bonne qualité. Et on a vraiment l'impression de voir une monture de lunettes. Ouais, parce qu'on se dit, genre, OK, c'est pas une pareille Dolly, là, franchement. Là, faudrait être les mauvaises fois. Non, il y a bien quelqu'un. Et c'est vrai que, enfin, moi je la trouve assez terrifiante cette photo, mais c'est vrai que je l'avais jamais vue en voyant si bien la monture des lunettes. Donc c'est. Voilà. Pas mal de. Du coup, on peut se poser des questions. Pourquoi avoir gardé cette. Enfin, parce qu'on est quand même dans l'affaire Amityville, on est quand même sur des enquêteurs du paranormal, dont les Warren, qui cherchent à prouver que la famille Lutz vit bien des événements inexplicables. On peut se poser la question de pourquoi garder une photo aussi sensationnelle cachée pendant 3 ans, je ne sais pas. Je sais pas, peut-être que on peut que spéculer là-dessus, donc je vais pas me laisser aller à des spéculations, il y en a déjà eu beaucoup. Mais en tout cas, factuellement, voilà, il y a bien eu ça, et à part Paul Bartz, difficile en fait d'expliquer cette photo. Je sais pas trop pourquoi, il me semble pas qu'il y ait eu forcément des prises de parole autour de Paul Bartz ensuite, ou des enquêteurs, quoi, mais en tout cas, cette photo reste vraiment assez iconique, emblématique à la fois de l'affaire Amityville pour les Lutz, et en même temps emblématique du côté du paranormal, même si, voilà, a été vue et revue. On peut tous avoir notre opinion dessus. Moi, si vous voulez, je vous laisse la porte ouverte, hein, vous pouvez croire en ce que vous voulez. Je pense quand même que la théorie Paul Bartz tient bien debout, surtout. Si vous avez vu mes vidéos sur Amityville, si vous avez vu celles sur Occulture et même toutes les autres vidéos qui ont été faites sur le sujet, il y a quand même beaucoup, beaucoup de controverses et pas mal de choses qui ont été un peu tirées pour arranger les événements, quoi. Donc,
je me pose la question, il n'en reste pas moins que ça reste une photo vraiment saisissante et culte, on peut le dire, du paranormal. Carrément. La quatrième, on va faire un petit voyage dans le temps. Oh. Elle s'appelle Flugblatt. Pardon ? Flugblatt, elle est originaire de Bâle en Suisse. Elle a été faite par Samuel Apiarius. C'est une œuvre. C'est absolument pas une photo aussi. Non, c'est pas c'est un tableau. D'accord. Ou c'est un tableau, c'est C'est pas ça ? Oui, c'est ça, oui. C'est ok. Attends, c'est cette représentation-là. Oui, c'est un feuillet d'illustration. Vous en avez mis deux, mais. Oui, la deuxième vient après. Donc ça, c'est un feuillet d'illustration en gravure sur bois qui a été imprimé en 1566. Et je vais vous lire le texte, du coup, une partie du texte qu'il a est en allemand. Je ne vais pas vous le lire en allemand, évidemment. Oh. En l'an 1566, par trois fois, les 27 et 28 juillet ainsi que le 7 août, au lever et coucher du soleil, a été vue une apparition curieuse dans le ciel à Bâle. L'an 1566, le 27 août, après que le soleil avait brillé chaudement et bonnement dans le ciel clair et lumineux, vers 9h du soir, il a pris soudainement une autre forme et couleur. D'abord, il a perdu ses rayons et sa brillance. Ensuite, il ne fut pas plus gros que la pleine lune. Et pour finir, il a semblé pleurer des larmes de sang. Et l'air derrière lui est devenu noir. Et il a été vu par tous les gens de la ville et de la campagne. De même, la lune, qui était presque pleine et a brillé durant la nuit, était presque rouge et couleur de sang. Le jour suivant, le dimanche, le soleil s'est levé vers 6h et couché avec la même apparence qu'il avait quand il s'était couché auparavant. Il a éclairé les maisons, les rues et les environs comme si tout était rouge feu et sanglant. Plus tard, le 7 août, vers le lever du soleil et un peu avant, on a vu de grandes sphères noires qui allaient et venaient avec grande vitesse et précipitation devant le soleil et s'entrechoquaient, comme si elles menaient un combat. Certaines sont devenues comme enflammées et rouges, sont tombées et ont disparu. Le long texte qui suit ensuite... C'est en conclusion, il évoque en fait un avertissement divin. Il commence par une réflexion sur les possibles causes de l'apparition, puis s'étend largement sur les signes contenus dans l'Ancien Testament que Dieu a envoyés aux hommes. Les phénomènes de Bâle sont ainsi compris comme avertissements célestes. Les pécheurs seront certainement bientôt punis, alors que ceux fidèles à Dieu n'ont rien à craindre de ces signes. Pourtant, cette gravure, au niveau interprétatif, beaucoup y voient un phénomène ufologique du Moyen-Âge, interprété à leur façon. Il y a également le phénomène céleste de Nuremberg, que tu peux diffuser, Pierre. Tout à fait, ça me fait plaisir. En 1561, qui est donc 5 ans avant, qui est très similaire, on peut y voir des sphères, des cylindres, des croix rouges sang, et ce serait pareil, un avertissement religieux exagéré. En tout cas, voilà, c'est deux représentations qui sont assez saisissantes. On pourrait se dire, tiens, mais c'est bizarre, on dirait qu'ils ont essayé de représenter des ovnis ou des attaques d'ovnis ou une espèce de crainte. En fait, ce sont tout simplement des représentations religieuses exagérées ou exaltées, comme ils pouvaient le faire parfois. Et ce qui est intéressant aussi à rapprocher, ce sont la période de temps similaire, quoi, voilà. Ces deux gravures-là qui se trouvent après quelques années d'écart. Je trouvais ça assez saisissant sur le point symbolique, parce qu'aujourd'hui, si on voit ça, on pourrait directement se dire waouh, c'est une représentation d'OVNI clairement avant l'heure, parce que ils pouvaient pas l'inventer, quoi. Ils pouvaient pas connaître le son de Joule, déjà. déjà, pour commencer. Et on pourrait se dire ça, et en fait, quand on replace les choses dans leur contexte, on remarque que avec le côté religieux et interprétatif de l'époque, très symbolique du coup, très nourri en métaphore aussi, il y a différentes grilles de lecture qui sont possibles, quoi. Mais du coup, ça se base quand même sur un phénomène genre atmosphérique ou un truc comme ça, ou c'est vraiment juste métaphorique Alors, à Bâle, il y a bien eu un phénomène atmosphérique qui a été constaté. Après, officiellement, on dit que ce sont des exagérations. C'est-à-dire qu'à partir d'un phénomène atmosphérique qui était mal connu ou moins connu ou inconnu à l'époque, les religieux y voient des signes annonciateurs à partir des textes. Ça reste soumis à l'interprétation. Évidemment, là, on est 5 siècles plus tard. Je vous pose les choses, je vous pose les faits. Je les trouve super intéressantes, en tout cas. Et la conclusion vous appartient, encore une fois. Vous avez les tenants rationnels et les tenants plus surnaturels. Il faut vraiment qu'on amène une bougie. Hein, c'est vous qui voyez.
C'est vous qui voyez. C'est à vous qui de fait voir. Des rip-off. On serait à vente, hein, la réplique culte, tu sais. Ça aurait vachement moins bien marché, hein, si c'était. C'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Je vous laisse la décision. Quoi qu'il en soit. On passe à la cinquième photo. Cinquième photo. Alors celle-là, on l'a. Ouais, vas-y, tu peux la balancer. Bah, je vais la balancer. C'est la photo de la Dame Brune de Raynham Hall. Ah. L'une des photos les plus de fantômes les plus célèbres au monde. Pour les plus assidus sur ma chaîne, vous m'avez peut-être vu en parler avec Mathias du Bureau des Mystères qui nous l'avait très très bien présenté, très très bien posé toute l'histoire. Il nous en avait déjà parlé sur ma chaîne, donc je vais vous résumer brièvement le cliché pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Il a été pris par le capitaine Hubert C. Provant et publié ensuite dans le magazine Country Life en septembre 1936, qui était un magazine qui s'intéresse un peu aux belles demeures, etc. Donc il est publié en septembre 1936, initialement du coup pour documenter la demeure de Raynham Hall à Norfolk en Angleterre. La photo fait grand bruit, il y en a qui disent que la personne qu'on verrait sur cette photo, ce serait le fantôme de Lady Dorothy Townshend, qui aurait été aperçu plusieurs fois depuis le début des années 1800, et on raconte que le fantôme de Lady Dorothy Townshend hante la demeure. On raconte cette légende bien avant la prise de la photo, ça faut le savoir. Ensuite, le spectre aurait été vu par intermittence, donc il y en a beaucoup qui se disent « Bah oui, cette photo, c'est le spectre qui a réussi à être saisi, à être photographié. » Aujourd'hui, la demeure, elle appartient toujours à la famille Townshend. Il n'y a aucun commerce qui a été créé autour du cliché, hein. Il n'y a pas non plus d'explication officielle. Même si il y a des effets de pareidolie ou de trucage qui ont été avancés, par rapport à cette photo, on peut aussi se poser la question, elle est sortie en plein Boxing Day en Angleterre, qui est ultra populaire dans la presse. En gros, c'est là où les journaux font leurs gros titres et essayent de vendre un maximum. Quoi. C'est les périodes c'est le Black Friday de la presse. On peut dire ça, voilà. Donc, c'est notamment Mathias qui développait un peu ce point de vue, qui disait qu'il y avait peut-être une volonté de sortir la photo au bon moment pour que ça fasse parler du magazine et que ça vende et que ça écoule énormément de tirages. Peut-être, quoi qu'il en soit, ce qui est passionnant derrière cette photo, c'est l'histoire du fantôme de Lady Dorothy Townshend qui a été documentée. On retrouve les archives, Mathias vous le présente bien en vidéo, qui peut avoir sa conclusion avec, et le point culminant avec cette photo que certains voilà, associeraient vraiment comme celui de Lady Dorothy Townshend. Dans les tenants du trucage possible, il y en a qui avancent qu'on dirait une vierge, une statue de vierge. Ah oui. Et quand on y regarde de plus près, c'est vrai qu'on a l'impression de voir un petit peu un espèce de drapé. Et ça aurait pu être une statuette, tout simplement, qui aurait pu être utilisée. Ah ouais, Tu vois, on imagine, si on imagine un peu une statue de vierge, on peut l'imaginer, ou il y en a même qui disent que c'est juste un effet de pareidolie. Mmh. Quoi qu'il en soit, jusqu'à aujourd'hui, cette photo reste inexpliquée, reste un véritable mystère, et reste pour beaucoup de gens une preuve de quelqu'un ayant réussi à capturer un fantôme. Et du coup, là, en l'occurrence, le fantôme de Lady Dorothy Townshend. Ce qui est intéressant aussi, c'est que chez les Anglais, les fantômes sont un petit peu vaporeux, sont moins matériels. Il y a aussi un espèce de romantisme autour de tout ça qui se crée et qui peut nourrir et l'imagination et les esprits aussi, qui pourrait donner à penser à plein de gens que cette photo soit réellement authentique. On sait pas trop, c'est un cliché très très intéressant, et en tout cas c'est un des plus connus dans le paranormal. Donc voilà, je sais pas si vous aviez des avis, mais nous on en a déjà parlé beaucoup avec Mathias, donc c'est vrai que il y a plein de pistes possibles. Mais Ouais. Moi j'aime bien, vous en aviez parlé, la possibilité de la Vierge. Il me semble que dans la vidéo, il y a un moment où il y a une reconstitution et on voit que ça fait vraiment, ça épouse vraiment la même forme qu'une petite statuette d'une Vierge, donc en procédé de double exposition. Mais j'adore ce truc de... Il y a le fantôme anglais et le fantôme français, quoi. Le fantôme anglais, c'est le truc qu'on voit, qui est vaporeux, qui passe loin... Très romantique, comme tu dis, et le fantôme français, c'est le poltergeist qui frappe partout, qu'on voit pas et qui est un peu plus. Ouais, j'aime trop cette idée de dire qu'il y a des fantômes français, des fantômes anglais, et ils vont pas se matérialiser de la même façon. Enfin, mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est
pour la dame brune, c'était quand même un incontournable, même si c'est une photo Je réponds connue. Juste, excusez-moi, je vois Poulpe dans le chat et peut-être qu'il y a d'autres gens qui sont dans son cas qui dit, mais le mec, il prenait juste les marches en photo à la base. Et comme tu l'as expliqué, à la base, c'était pour prendre la demeure en photo. Oui, donc, c'était... On est sur un agent immobilier, on est sur Stéphane Plaza qui prend des bonnes photos du manoir pour le vendre au mieux, j'imagine. Enfin, quelque chose qui s'en rapproche. C'est un magazine, voilà, pour que les gens aiment bien lire. Ouais, on est sur Manoir et Travaux. C'est un peu ça. Enfin, les gens aiment bien. C'est pour le magazine Country Life qui, du coup, présente des belles maisons. Donc, voilà, prises sous tous les angles et qui parle de l'architecture, etc. Voilà, c'est comme ça que ça se justifie. C'est un peu de niche, quoi. Mais oui, effectivement, parce que c'est vrai que c'est un truc qui revient souvent dans les photos, les photos paranormales et même photos truquées. Les gens se disent, ouais, mais pourquoi est-ce qu'ils photographient tel truc? Alors, aujourd'hui, on prend des photos pour tout et n'importe quoi, mais c'est vrai qu'il y a un ou deux siècles, on peut se poser la question de, parce que c'est quand même toute une installation et... Ouais, ils faisaient des stories. C'est chiant, donc, donc on peut se poser la question, effectivement, non, là, c'était vraiment dans le cadre du boulot, tout est assez crédible et très bien expliqué et même très bien documenté, c'est pour ça que ça reste un cliché vraiment intrigant et plein de mystères, quoi. Et qui en plus recèle cache une très belle histoire derrière. Et voilà, encore une fois, voilà, ça appartient toujours aujourd'hui à la même famille. Et ils en jouent pas plus que ça, de ce cliché. Voilà, ça fait partie, on va dire, de l'histoire d'Internet, mais c'est pas forcément ce que mettent en avant cette famille. Voilà. On arrive à l'avant-dernière photo. D'accord. Bah, on va y arriver. Le garçon. Alors là, c'est. J'ai trouvé qu'elle était. Je vous en dis pas plus. Vous allez voir. Le garçon de la ferme. Ah, d'accord. Alors. Elle aurait été prise par le photographe Neil Sandbar, un photographe qui fait souvent des photos de mariage. Et en 2008, il prend justement des photos dans une ferme du Hertfordshire en Angleterre, encore une fois, pour un couple qui avait prévu d'y tenir leur mariage. Et en examinant ces photos numériques un peu plus tard, il découvre une silhouette de garçon qui regarde autour d'un immeuble. Au coin d'un immeuble, pardon. Alors, garçon, calmons-nous. On dirait une fille, c'est vrai que moi, je vois plutôt une... C'est... Alors, non, mais on dirait... Enfin, il découvre une silhouette. C'est... Parce que là, garçon, fille, je pense qu'il ne faut pas genrer cette silhouette, c'est important. C'est vrai que là, c'est difficile à dire. On raconte que le couple de mariés a ensuite demandé aux membres du personnel de la ferme s'ils avaient eu quelque chose de bizarre ou d'inhabituel sur les lieux, et on leur a dit que certains avaient... En fait, vu la silhouette d'un jeune garçon, du coup, d'où le garçon, vêtu de vêtements blancs de nuit. Alors, bon, moi, tout de suite, croisage de sources et tutti quanti, les sources, vraiment, sur ce cas-là, moi, j'aime beaucoup cette photo, même si, à y voir de plus près, je trouve que c'est vraiment... ça m'a beaucoup rappelé les photos que je voyais quand j'étais adolescent et que je cherchais des photos paranormales sur Internet. C'est vraiment... On n'a pas eu la même adolescence, hein. C'est pas ce genre de photos que je cherchais sur Internet, mais... Ça dépend de l'heure. En tout cas... je trouve que ça y ressemble vraiment. C'est vraiment la photo typique qu'on pouvait trouver sur l'internet des années 2000, début 2010 même. Tu peux la remettre en grand, ouais. Mais elle est nulle en dézoomé. Enfin, ça n'engage que moi, mais je trouve que. Voilà. En dézoomé, tu vois, elle est à droite, on la devine, quoi. On la devine. Ah oui, d'accord, ouais. Et du coup, les sources sur ce cas sont. Extrêmement mince. J'ai essayé de trouver Neil Sandbar pour voir s'il y avait eu des interviews sur lui ou même pour essayer de le contacter ou le questionner, vu que c'est en 2008. Je me suis dit, le mec est encore en activité, il y a peut-être moyen de lui poser des questions. Pas trouvé. J'ai essayé de trouver d'autres infos sur l'affaire, mais bon. Tout ça, c'est extrêmement confidentiel, en fait. C'est... Ça pourrait être quelqu'un qui passait là, quoi. Enfin, il y avait des gens sur la propriété ou c'était vide, vide, vide? A priori, c'était vide, vide, vide. C'était vraiment les répètes pour le mariage, quoi. Ouais, mais justement, s'il y a des répètes, c'est du monde. Ouais, et peut-être un petit poulet d'antin qui s'était caché. Enfin, en tout cas, voilà, quoi qu'il en soit, de toute façon, moi, sur cette affaire... De toute façon, les histoires de fantômes, si c'est pas paranormal, c'est toujours un plaisantin. Non, mais en vrai, c'est... Bah oui, fatalement, il n'y a pas 10 000 solutions. C'est une photo que j'aime beaucoup, mais du coup l'histoire autour et les éléments, quand on fouille un peu... C'est extrêmement mince, mais c'était quand même un petit coup de cœur pour le côté vraiment photo de fantôme qui fait vraiment paranormal Internet. C'est vraiment celle un peu typique, classique qu'on pouvait retrouver sur un peu tous les sites. C'est vraiment ce genre de photo-là qui est très souvent partagée, donc c'était un petit clin d'œil. Et alors pour finir, alors là les gars, je vous ai préparé une affaire Ah ouais. qui est assez passionnante.
qui moi m'a au début je me suis dit il faut que je vais en faire une vidéo parce que c'était ultra long et ultra intéressant et puis tu t'es dit il faudrait que j'aille chez le coiffeur avant de faire des nouvelles vidéos du coup notamment notamment non je me suis dit par contre non en vrai ça peut très bien ponctuer ce sujet parce que je prends un petit contre-pied vous allez voir avant ça fais juste une pause de 10 secondes pour rappeler quand même France Obscure les gars qu'est-ce que France Obscure? Qu'est-ce que France Obscure? Je vais vous le rabâcher encore 9 jours après, promis, vous en entendez plus parler. Mais c'est notre campagne, autour d'un livre principal, mais il y a plein de livres, il y a plein de choses. Je vous laisse aller découvrir la campagne. Déjà, je voulais remercier tous les pré-acheteurs. C'est énorme. On arrive au 75%. On est dans la dernière ligne droite. Il reste 9 jours. C'est juste gigantesque. Je rappelle juste qu'on a mis une contrepartie qui a été lancée hier, qui contient le livre. Et une place pour la nuit du paranormal, parce que on voulait vraiment que, voilà, il y avait plein de gens qui nous avaient demandé, qui voulaient assister à la nuit, mais qui voulaient pas forcément les autres contreparties, donc on a mis ça en place. N'hésitez pas, si vous voulez passer une soirée avec nous, une nuit du paranormal assez incroyable, l'année prochaine avec nous, où il y aura des projections de films, des débats autour du paranormal, et plus, et encore plein d'autres choses. Il y a la contrepartie qui est faite pour ça, que vous pouvez prendre si vous le souhaitez, voilà. Et à côté de ça, il y a, comme d'habitude, toutes les autres contreparties. Il nous reste 9 jours, on est hyper confiants grâce à vous, on est vraiment ultra motivés, en une semaine, on a avancé comme des dingues, on a d'ailleurs passé les 76%, c'est la dernière ligne droite, merci, c'est énorme, faut qu'on continue, du coup, on compte toujours sur votre bouche à oreille, et si on arrive, alors là, c'est patate, quoi. Il y aura un live, patate. Je sais pas d'où je sors cette expression, je me fais honte moi-même. Mais il y aura un live de conclusion, enfin, on verra ce qu'on fera, mais ça va être beau, quoi. Ça va être beau, et surtout, ce sera une magnifique façon de terminer cette année et de commencer 2021 avec des super projets, quoi. Franchement, voilà, vous nous aidez à réaliser un petit rêve, donc ça fait vraiment plaisir. C'est toujours en cours, rien n'est fait, mais voilà. Je tiens à dire déjà merci à tous pour votre confiance, merci à tous ceux qui partagent, même si vous pouvez pas acheter, rien que le fait d'en parler autour de vous, c'est très important. Et on passe... passons. On passe à la dernière affaire que je voulais vous présenter. Très bien. Qui est donc la photo perdue de l'oiseau tonnerre. L'oiseau tonnerre. Le Thunderbird. Donc, terminer, on va parler d'une photo, mais qui n'existe plus. Donc, pas celle-là. C'est celle de l'oiseau tonnerre. C'est ce que vous avez mis. Oui, mais enfin, t'inquiète. Ça va bien se passer. Ah, d'accord. Ah, ok. Alors, mais c'est un oiseau... Il est un peu tonnerre, cet oiseau. Il est un peu tonnerre. Alors, celui-là... C'est ça ? Attends. Spoil pas, tu spoil pas. Mais reviens sur moi. Reviens sur moi. Il grille les étapes. Bah oui, mais non, mais si vous êtes mal organisé aussi, moi, je le mets dans l'ordre. Non, je suis en bande organisée. alors, la photo perdue de l'oiseau tonnerre, en fait, c'est une photo, mais qui n'existe plus. Ce serait celle de l'oiseau tonnerre, du coup, le Thunderbird. Et j'ai découvert cette affaire en recherchant cette photo qui traîne beaucoup. Tu peux la remettre, du coup, la toute première avec le monsieur en noir et blanc. En fait, j'ai découvert cette affaire parce que je cherchais cette photo dont je voulais vous parler à la base, qui traîne beaucoup sur Internet et qui, moi, personnellement, m'a beaucoup marqué. Je sais pas pourquoi, c'est une photo que j'ai vue très jeune et c'est une des photos qui m'a le plus marqué, qui est apparemment un faux Argentavis magnificens, donc l'argentin magnifique, qui est une espèce d'oiseau qui est éteinte depuis très longtemps. Mais qui a vraiment existé ? Depuis des millions d'années, mais qui a vraiment existé. Wow. Par contre, ce serait pas, a priori, c'est effectivement pas, parce que ça n'est pas un condor, ça c'est un, c'est même pas un oiseau préhistorique, c'est juste gigantesque. Mais c'est une photo qui m'a toujours marqué, je sais pas, elle a quelque chose d'étrange, de... Vous savez, les images qui vous hantent un peu quand vous êtes petit, soit à cause d'un film d'horreur ou je sais pas quoi, bah moi, cette photo, c'est une des images qui en font partie, alors qu'elle a rien de vraisemblablement effrayant. Moi, je comprends pas. En fait, je sais pas, elle a le côté un peu fascinant, mais du coup, voilà, je recherchais juste cette photo. Non, mais attends, mais je suis désolé, faisons une aparté sur qu'est-ce qui t'a fasciné dans ce cliché d'un grand oiseau. Déjà, il est énorme, l'oiseau. J'ai jamais vu, moi, de cliché d'oiseau aussi gigantesque, et surtout, je sais pas, je trouve qu'elle a un côté côté monstrueux, quoi. Ah ouais. Je sais pas pourquoi, parce que j'ai l'impression, en fait, c'est la façon dont t'es positionné l'oiseau. J'ai l'impression de voir un espèce d'énorme costume où la queue ça serait des espèces de pieds, il y aura un énorme chapeau avec quelqu'un qui ouvre les bras et du coup d'avoir Tu fais un test de recherche. Une forme monstrueuse. Enfin, je sais pas, c'est très bizarre d'avoir cet oiseau positionné dans cette configuration. Ouais, ça fait... C'est assez curieux. Je sais pas, c'est une photo qui m'a un peu hanté pendant longtemps. C'est vrai que ça fait bim bam boum.
Et du coup, je voulais la retrouver, donc j'ai fini par la retrouver. Bon, a priori, voilà, c'est vraiment, du coup, ça représente une fausse espèce d'oiseau éteinte. Et du coup, elle est associée parfois à l'oiseau tonnerre. Et l'oiseau tonnerre, c'est une créature légendaire en forme d'oiseau, qui est commune aux religions de plusieurs populations amérindiennes, notamment en Amérique du Nord. Et vous savez, vous avez très souvent vu ces espèces de totems avec l'oiseau tonnerre. Mais en fait, ça représente cette créature légendaire, ce cryptide au final. Et ça fait des années qu'il y a des témoignages qui font mention d'un oiseau géant, spécifiquement l'oiseau tonnerre, qui réapparaissent. J'ai commencé à me renseigner un peu sur cette histoire d'oiseau tonnerre, parce que je me suis dit, tiens, c'est rigolo, il y a des témoignages encore assez récents qui mentionnent cet oiseau tonnerre et qui, du coup, le ferait rentrer dans la catégorie des cryptides. Est-ce qu'il n'y aurait pas des photos? Et c'est comme ça que je suis tombé sur cette affaire de photos perdues de l'oiseau tonnerre. Il est aussi considéré, du coup, comme une créature de la cryptozoologie, qui est issue de... Voilà, qui rapporte plein d'observations d'oiseaux gigantesques dans le ciel américain. Et il y a une histoire qui raconte qu'en avril 1890, il y a deux cow-boys en Arizona qui auraient tué une créature géante semblable à un énorme oiseau. On disait qu'il avait une peau lisse, des... Non mais attends, tu vas voir. Je vais te dire, je te dis... T'inquiète, je te dirai quand même, ça, tu vas voir. Il aurait tué une créature géante semblable à un énorme oiseau. On disait qu'il avait une peau lisse, des ailes sans plumes comme une chauve-souris et un visage qui ressemblait à un alligator. Cette description, il y a des gens qui disent qu'elle a des similitudes avec celle d'un ptérodactyle préhistorique, animal, dont l'existence était connue à cette époque-là. Et ils auraient alors traîné la carcasse en ville où elle aurait été accrochée avec les ailes tendues sur toute la longueur d'une grange. Une photo de cet événement aurait été publiée dans le journal local, le Tombstone Epitaph, et il y aurait eu un compte-rendu de cette histoire avec les événements qui se déroulent donc au Texas. Sauf que les années passent, et alors que plein de gens se rappellent de cette photo à travers les États-Unis, impossible de la retrouver. Même le Tombstone Epitaph, hein, le magazine qui aurait diffusé la photo, assure que cette photo n'existe pas. Il y a donc une quête du public qui commence, et qui est fascinante, pour essayer de retrouver cette photo perdue. Il y a des dessins, tu peux montrer des dessins. Alors oui, il y a un de vos dessins qui n'était pas au bon format pour donc je suis en train de le. Ah merci, non mais au pire c'est pas grave, je sais il a été mis, c'est pas grave, tu m'as montré le deuxième dessin, c'est okay. J'avais vu, t'en fais pas, okay. Te casse pas la tête. Il y a des dessins du coup des gens qui se remémorent cette photo et vu qu'ils n'ont pas la photo à disposition, qui commencent à dessiner avec leurs souvenirs, donc on y voit effectivement ce que raconte l'histoire, ce qu'aurait raconté l'article avec l'espèce de cow-boy et cette espèce de créature. Peut-être préhistorique, qui est un peu exposé. Il y a aussi des... Évidemment, ça fait parler, donc il y a des photos truquées, et il y a même des photos d'origine inconnue qui s'accumulent pour essayer de ressaisir l'essence de cette photo qui aurait existé de l'oiseau tonnerre. Parce que le but, c'est pas de dire « Ah, on a retrouvé la photo, c'était celle-là ». Ils essayent vraiment, avec leurs souvenirs et avec les appareils à leur disposition, et les techniques à leur disposition, de recréer cette photo, cette espèce de souvenir collectif de cette photo, qui est-ce que je a disparu. Passer à l'image suivante ou Ouais, ouais, il y a même l'émission. Donc voilà, voilà le un autre des dessins. Ensuite, il y a je sais pas si t'as les photos. Alors attendez, après du coup, j'ai ça. Pas toutes. Ouais, donc là on est encore dans les espèces de croquis passer... et de schémas. Tu peux les faire passer un peu. Donc voilà, ça c'est la photo truquée. Tu peux rester là-dessus. Ah, il y a une émission de télé qui s'appelle Freaky Links qui a essayé de recréer la photo, qu'il a truquée en fait, et qu'il a fait passer un peu comme la photo autour de ce perdu qui aurait été retrouvé. Et le 12 août 2009, il y a un utilisateur du nom de Saint-Alban999 qui a publié un article dans lequel il raconte son histoire de témoin, où il serait même mort l'image. Il a prétendu avoir vu l'image originale dans un magazine en 1967, et il déclare, je cite... dans un magazine qui publiait un article sur de vieilles histoires de l'Ouest américain, dont l'une présentait de manière proéminente une photo de plusieurs hommes, donc sur une très grande page, de plusieurs hommes qui montraient ce qui semblait être un gros ptérodactyle noir, cloué à leur cabane de chasse ou bien à un hangar. Il se souvient plus très bien de l'image, mais se souvient bien de pas du titre ni de l'auteur. Donc il y a vraiment cette image qui s'est imprimée dans son cerveau, et il se serait si bien souvenu de l'image qu'il en aurait dessiné justement une image parue à plusieurs reprises dans Strange Magazine, et normalement tu l'as. C'est une image qui montre un ptérodactyle épinglé à une petite C'est un dessin ou c'est une photo? Normalement c'est une dessin.
C'est un dessin, pardon. Moi, j'ai ceci. C'est celle-ci, ouais. Très voilà. Bien. Donc, il a dessiné ça. Et selon lui, c'est vraiment le dessin qui se rapproche le plus de la photo originale. Où on retrouve tous ces éléments, du coup, qui montrent donc, ce ptérodactyle épinglé à une petite remise en bois, avec quatre hommes debout ou à côté de lui, hein, qui tiennent des fusils. Il y a des gens qui par rapport à ce dessin, à partir de ce dessin, disent qu'effectivement, il est très proche et il ressemble véritablement à l'original. Mais il y en a d'autres qui disent aussi avoir vu quelque chose de très différent. Jusqu'à aujourd'hui, tu peux passer plusieurs photos. Donc il y a aussi des photos, on ne sait pas du tout d'où viennent ces photos. Il y a vraiment des photos, il y a des gens qui se sont amusés à peut-être recréer un peu cet événement. Je peux les passer à la suite. Donc vous voyez qu'il y a vraiment plein de gens qui se sont amusés. Mais qui fait ça? Pourquoi? Non, je sais, moi ça me fascine. En plus, alors admettons que ce soit des fausses personnes, mais il y a l'effort de la moustache et des chapeaux quand même. Enfin, oui, non mais voilà, il y a vraiment un espèce d'effort pour reconstituer cette photo perdue en fait. Celle-là, j'avoue, en vrai, je pense qu'elle date des années 2000 ou un truc comme ça. Je sais pas, je pense qu'on est sur un appareil photo numérique, je sais pas pourquoi. C'est bien possible, mais tu vois, il y a... Enfin, en tout cas, on voit clairement le ptérodactyle qui ressemblait sur l'autre à un espèce de gros cerf-volant, je sais pas. Du coup, je mets celle que j'ai mise tout à l'heure et qu'il fallait pas que je mette. Celle-là, ouais, tu peux les mettre à la suite, okay. Là, on les parcourt un petit peu, voilà, il y a celle-ci, il y a également l'autre. Donc à chaque fois, elles reprennent toutes cette espèce de... ces espèces d'éléments avec les cow-boys, le fusil, le ptérodactyle ou le cryptide... qu'on assimile à un ptérodactyle qui est attaché, exposé comme ça, et qui est extrêmement grand, quoi. C'est assez fou, quoi. C'est des photos, donc on a du mal à se le représenter, mais tu regardes le nombre de personnes alignées, c'était assez énorme, et les gens qui ont recréé ces photos ont vraiment mis du cœur à l'ouvrage, quoi. Et beaucoup de chemises à carreaux. Beaucoup, beaucoup, c'est le style cow-boy fermier du Texas, écoute, apparemment. Donc voilà, est-ce que c'est un faux souvenir? Vous savez, comme un peu cet effet, je crois que c'est l'effet Mandela, où les gens se rappellent de quelque chose qui, en fait, n'est pas ça du tout, ou n'a pas du tout existé. Ouais. Est-ce que c'est vraiment du faux souvenir? Est-ce que c'est une photo qui n'a, au final, jamais existé, peut-être? Ou bien est-ce que c'est une photo qui a véritablement existé, et qui aurait été perdue, au final, mais qui aurait quand même réussi à hanter pas mal de gens? Le mystère demeure, et je voulais finir ma chronique sur ça, parce que je vous ai présenté plein de photos qui nous ont marqué, enfin qui moi en tout cas m'ont marqué et qui vous ont peut-être marqué. Certaines que j'ai vues petit, d'autres que j'ai découvertes récemment. Et au final, est-ce que ce sont des photos authentiques, trucs et photos du paranormal, etc. Finalement, peu importe, parce qu'encore une fois, chacun fait son avis, on a passé en revue les éléments. Moi, ce que je trouve aussi fascinant, c'est le pouvoir de l'image, une image qui marque durablement, qui s'inscrit dans notre mémoire et qui peut y rester probablement toute notre vie. Il y a des images comme ça, même associées au paranormal, qui vont rester toute notre vie. Donc je trouvais ça assez ironique de conclure sur une affaire où des gens se rappellent d'une photo perdue qui est introuvable et qu'ils essayent par tous les moyens de la recréer et de se rapprocher le plus possible de l'image réelle. Voilà, donc assez fascinant, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Carrément, c'est trop... Cette quête pour l'oiseau tonnerre, cette quête pour essayer de retrouver l'oiseau tonnerre. Pourquoi n'en as-tu pas fait une vidéo? Ça pourrait même faire l'objet d'un documentaire. Je pense que nous allons... Tu veux qu'on aille au Texas? Oui, voilà. Une fois que le livre sera terminé d'être financé, nous allons financer le documentaire où on va au Texas pour retrouver la trace de l'oiseau tonnerre. Je pense que ça vaut le coup. Que si on a des chemises à carreaux et... Bah, personnellement, j'en ai. Je pense que j'ai un chapeau de cow-boy quelque part. Parfait. Ça. Je signe. Je dois pouvoir mettre des éperons sur mes VaporMax. Donc, je signe complètement. Mais enfin voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'était vraiment... C'est une affaire assez cool, assez passionnante, et qui ponctue bien cette affaire. Vous avez je sais pas si vous avez des réactions par rapport au sujet de ce soir, Moi j'ai fini ma chronique, hein, c'est bon. Voilà, j'ai fini ma chronique. Bah des réactions sur le sujet. Alors moi j'ai un truc à vous dire, on n'a pas du tout, si je ne m'abuse, on n'a pas du, enfin à part ce dernier sujet, on n'a pas du tout parlé des cryptides, des Bigfoot et des Loch Ness qui font partie, enfin il y a pas mal de photos,
Mais peut-être que ce sera le sujet d'un prochain live. Alors, moi, voilà, s'il y a des gens qui se demandaient peut-être pourquoi on n'a pas vu du Loch Ness, du Bigfoot, etc., ce sont des... Enfin, c'est déjà... il faut faire un seul live sur un sujet tellement il y aurait de choses à dire sur ces cryptides-là. Il y a une quantité tellement énorme d'informations qu'on peut pas juste la passer en 10-20 minutes pour essayer d'être un minimum exhaustif. Et aussi, bon, bah, c'est ultra populaire, et déjà que le sujet est quand même assez connu, voilà, les photos célèbres du paranormal, on voulait tous un peu aussi à notre manière essayer de vous surprendre et de vous passer des photos connues, mais aussi des choses peut-être un peu moins connues, mais qui n'en restent pas moins intéressantes, quoi, au final. Parce que une photo célèbre n'est que la portée médiatique qu'on en fait, et, indépendamment de l'histoire, qui peut elle aussi être tout aussi intéressante que les autres, que les plus connues, quoi. Donc, mais carrément, Bigfoot, Loch Ness, j'ai hésité à passer le Rake, ouais. Cette créature, ouais. Avec, parce que ça c'est pareil, c'est une vidéo que j'ai vue. Moi je propose que la semaine prochaine on fasse un sujet cryptide. Parce que... On peut faire un sujet cryptide la semaine prochaine, hein, bah, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a beaucoup de choses à dire. Le Rake, pareil, ça fait partie des créatures qui, moi, m'ont fasciné. Ça fait partie des vidéos que j'ai vues très très jeune, qui m'ont beaucoup impressionné. Et, jeunesse. Où à l'époque je me disais, waouh, ouais, c'est fou. Enfin, ça ouvre vraiment une porte vers l'inconnu, vers l'imaginaire, que je trouve assez superbe, quoi. Moi, voilà, vous avez mon avis sur la thématique de ce soir, quoi. Je vous l'ai donné. Manon, peut-être un mot pour conclure le sujet, toi. Je sais pas. Non, mais ce que t'en penses, on n'a pas les mêmes points de vue, donc c'est intéressant aussi de. Bah, la photo, c'est un médium qui est super cool parce que on peut en tirer plein de choses, surtout aujourd'hui. C'est un médium qui peut être assez fiable dans le sens où on peut voir aujourd'hui si une photo a été trafiquée ou pas. Donc, je trouve que c'est un support qui est vachement cool, autant pour être créatif d'un côté, si on a juste envie de fabriquer des photos paranormales, ou juste si on veut avoir une preuve solide. La photo, ça reste quand même quelque chose de très cool. L'histoire de la photo, elle est juste ouf, il y a énormément de choses, et quand on s'intéresse et au paranormal et à la photographie, bah forcément ça fait des chocs à pic, quoi. Il y a vraiment... J'étais pas prêt. Excusez-moi. Je me brouille. C'est pas d'où je la sors celle-là non plus. Du coup, il y a énormément de choses à en dire. Ma conclusion serait peut-être un peu la même que celle pour la communication avec les morts, c'est que... Bah, il fut un temps où toute cette technologie-là était un petit peu des petits miracles et de la magie à chaque fois, et du coup, on en a fait plein de choses. Et merci, ça nous donne... excusez-moi, merci à Escroc Crocop pour son don de 5 euros. Merci, ah, merci Escroc. Merci Escroc Crocop. Voilà. Tu n'es pas un escroc. Merci beaucoup. Voilà. J'ai pas grand chose de plus à dire. Non, mais c'était bien. Oui, c'était très bien. C'était très bien. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? C'est pas ça, ça va partir en couille. Non, mais si, on peut prendre 2-3 questions. Ouais, on peut prendre 2-3 questions. Pierre, pourquoi tu vas pas te faire couper les cheveux? Sûr, oui. Pierre, pourquoi on voit pas tes biceps? Tout ça, oui, non? Non. pendant ce temps, bon, le temps que les questions arrivent, puisqu'il y a un petit décalage, on rappelle. Nos hôtes, John C. Agency, qui nous permettent de live là chaque semaine, ils ont fait un super live le week-end dernier, et la rediff est il est vraiment ouf, hein. Ouais, non, mais vraiment, il est très très cool. On vous repasse le lien, tu peux leur dropper, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, à lâcher un petit like, ça coûte rien, voilà, et à écouter si le cœur vous en dit. Alors moi, je vais même vous dire, et c'est franchement pas pour juste faire de la promo, mais après ce live, celui qu'on fait en ce moment, je pense que c'est parfait pour vous caler dans votre lit avec une musique un peu sympa, un peu posée. Je vous le mets. C'est là. Un peu planant. Ouais. C'est très bien pour trouver tranquillement le sommeil, sans pour autant que ce soit chiant, mais ouais, c'est planant, quoi. Absolument, absolument. Et voilà, ils font plein de choses, hein, là, comme vous pouvez le voir, ils font des captations de musique, ils font aussi, enfin, on fait aussi ça avec eux, donc ils nous permettent de liver sur le sujet du paranormal grâce à eux. Ils font plein de trucs assez souvent, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. On rappelle le live de demain sur la grotte chaude sur fait, Twitch, cœur d'acier. Cœur d'acier. Et dimanche, nous avons Blast Fighter, l'exécuteur, un sous-rambo italien, totalement fou et vraiment très jouissif. Enfin, c'est-à-dire que si vous êtes, parce que le premier Rambo est lent. Enfin, je sais pas si vous l'avez vu, mais le premier Rambo, il met son temps à démarrer.
quand les Italiens font des remakes des succès américains, ils disent on n'a pas le temps. ça va chier dans tous les sens. Et donc celui-là à 16h dimanche, il va être cool. Et sinon demain c'est à 21h. Ouais, voilà, suivez les canaux de la Grotte Chaude pour être sûr de ne rien rater. Je rappelle l'Instagram d'Obscurosity, du coup, si vous avez apprécié sa chronique et que vous aimez les sujets qu'elle traite, et ben pareil, sur son Instagram, vous retrouvez et ses créations et plein de sujets aussi qui sont similaires. Tac, je suis en train de... T'avais quelques questions à... Ouais, est-ce qu'il y a des moyens de faire venir Feldup sur un futur live sur un mystère en internet? Pourquoi pas, avec grand plaisir. Il y a pas mal d'invités qu'il faut qu'on invite. Oui, certains moi, sont en discussion, d'autres sont en cours. Avec grand plaisir, mais vous verrez quand ça sort. Je sais pas encore, mais très bientôt, j'espère. J'essaye de voir. Tu me dis si tu as des questions, Pierre, parce que. Il y avait quel crédit tu donnes aux photos d'esprit de manière générale? Penses-tu qu'il serait possible de capturer l'invisible? Je crois qu'il y a des gens qui. Faut que je m'intéresse vraiment. Faut que je prenne contact sérieusement avec eux en 2021. Là, il y a des gens des instituts en France qui essayent de faire ça, quoi, qui sont vraiment consacrés dans les espèces de recherches avec les outils qu'on a à notre disposition pour essayer de capter des photos du surnaturel ou de l'invisible. Il y a des gens encore qui continuent aujourd'hui. Quel crédit je donne à ça? Je pense ils ont raison de faire ça. Je pense que il faut que pour moi tous les champs méritent d'être explorés. Après c'est compliqué parce que quand on rentre dans le... Un scientifique va me dire oui mais la recherche ça coûte des sous et du coup on préfère se focaliser sur tel ou tel truc. Heureusement du coup qu'il y a des groupes des groupes en marge ou qui arrivent à se financer, qui essayent quand même d'étudier un peu le paranormal pour laver on va dire cette image de trop sensationnel ou de... Oui, puis en fait capturer des images de l'invisible en général ça, c'est un progrès pour la science parce que ça veut dire mieux étudier des choses que nous on ne perçoit pas. Ultra pertinent. J'ai pas eu le temps, moi, pour ma chronique, mais en cherchant un petit peu à parler de la photographie de l'invisible, il y a énormément de choses sur Internet. Si vous êtes un peu curieux, pareil, on rebalancera les biblios et toutes mes sources, mais il y a énormément de choses. Il y a des conférences entières qui ont été faites par des gens qui sont très sérieux. Enfin, voilà, c'est un sujet où on peut aller très très loin, quoi. Faudrait qu'on vous redonnera effectivement les sources du dernier live et de celle-ci, mais je trouve que voilà, ça mérite de s'y intéresser. Moi, je pars du principe que quand il y a des gens en plus qui vraiment se spécialisent dans un champ du paranormal et qu'ils font depuis des années, la moindre des choses, c'est de les écouter. Ouais. Même si je vais pas forcément me mettre à croire telle ou telle chose, quoi. Moi, mon parti pris, c'est toujours de, voilà, il y a quelque chose de curieux, on s'y intéresse. Qu'on y croit ou pas, la moindre des choses, c'est de pousser à la réflexion. Après, chacun choisit ses croyances. De toute façon, les croyances sont personnelles et chacun en fait un petit peu ce qu'il veut. Il y a des gens qui citent l'IMI, mais l'IMI, ouais, ce sont surtout l'Institut Métapsychique International. J'ai regardé un peu leur expérience et leur champ d'études. C'est quand même très porté sur les sujets psy, les psychiques, quoi, les gens qui auraient des capacités extrasensorielles. Donc c'est encore différent, on parle pas vraiment de la même chose, parce que je sais que t'as vraiment des gens qui font tout ce qui est PVE, t'as des gens qui font vraiment ça à fond en dehors de France, j'imagine qu'il y en a énormément, mais même en France t'as des gens qui font ça. Est-ce que les ectoplasmes capturés dans les années 50 sont-elles des manifestations paranormales selon vous? Alors, sur le sujet des ectoplasmes, on aura le temps on en parlera longuement, enfin en vidéo, parce que c'est lié à la photo spirit, et c'est assez complexe comme sujet, donc moi je peux pas donner un avis définitif là-dessus. Il y a des choses intéressantes par contre au niveau des moulages ectoplasmiques, où effectivement, dont certains de Gelé et Kluski se sont rapprochés de protocoles. Alors est-ce qu'ils étaient expérimentaux ou scientifiques? Voilà, ça reste à sujet à débat, mais en tout cas, il y a eu une espèce de vraie démarche par rapport aux manifestations ectoplasmiques pour les étudier, on va dire, que je trouve assez sympa, en tout cas assez curieuse. Après, sur le reste, sur tout le sujet des ectoplasmes, il y a énormément de trucages, il y a beaucoup de choses, donc on aura le temps de revenir dessus plus sérieusement
et avec une meilleure rigueur en vidéo. Il y a des gens qui demandent, rien à voir, mais juste sur France Obscure, non, plus rien ne sera disponible après la campagne, c'est l'intérêt de la campagne du coup, donc si jamais un des packs vous intéresse, pensez juste à le prendre avant la fin, il reste 9 jours, voilà, vous avez encore un peu le temps de vous décider. Non, il faut vous décider maintenant, il faut acheter. Tac, 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 je lis encore, on veut décrypter du Cold Yatlov, ah mais moi le Cold Yatlov, ça me... Si j'avais le les peut-être qu'un jour moi mon rêve ça pourrait être de faire un espèce de docu en Russie avec parce qu'il y a beaucoup de sources qu'on n'a pas en fait en Occident enfin Occident en Europe dans France etc qui nous viennent pas forcément de Russie alors qu'en Russie il y a eu beaucoup de documentation qui a été faite des investigations officielles et les sources qu'on a mais aussi des contre-investigations j'ai des bouquins en anglais là, dont un qu'il faut que je lis qui ont été faits par des enquêteurs qui sont allés au Cold Yatlov et qui soutiennent d'autres théories tout aussi passionnantes. Et je pense qu'on en fera limite un live dédié, mais j'attends que les documents soient encore déclassifiés, parce qu'il y a encore des trucs qui doivent sortir. Faut prendre son mal en patience. En vrai, il faudrait quelqu'un qui parle ou lise le russe aussi pour avoir des infos directement des sources russes, quoi. Ouais, j'avais déjà pris contact avec certains russes sur internet pour essayer d'en savoir plus sur l'affaire. La plupart connaissent juste l'affaire comme dans les médias, mais enfin. Ouais. Ils sont pas aussi passionnés forcément par le cas, quoi, tu vois. Il doit y avoir des articles un peu sérieux, des trucs comme ça, qui n'ont pas forcément été traduits. Déjà, il y a la fondation Dyatlov, tu vois. Faudrait que je les contacte et que histoire de voir est-ce qu'ils ont des documentations sérieuses qu'ils n'ont pas publiées pour X raisons et que, est-ce qu'ils seraient prêts à, qu'est-ce qui peut être consulté. Mais bon, c'est pareil, hein, c'est une affaire qui a 50 ans, il y a une documentation qui est gigantesque sur le sujet, il y a le Révélateur X qui a fait une vidéo dessus, qui est cool, il y a plein de gens, plein de francophones qui ont fait plein de vidéos assez intéressantes dessus. Et à chaque fois, en fait, tu vois que sur une théorie, tu peux faire une vidéo d'une demi-heure, 40 minutes, qui tient la route. Pour moi, c'est vraiment un cas qui est absolument fascinant, voilà, qui est complètement dingue. À quoi une prochaine collaboration avec Culture? Toujours la même réponse. On sait pas trop là. On s'est écrit un peu. Faut qu'on prépare un peu cette collaboration. On a essayé d'explorer des pistes pour ce mois-ci, mais c'est un peu en termes de planning, c'est un peu trop chaud. J'espère idéalement premier trimestre au moins pour un live 2021. Pour la vidéo, ce sera au cours de l'année parce que je vais vraiment faire un gros truc avec eux, quoi. Un fan footage de Cold Yatlov, ça pourrait marcher. Il y a un film qui s'appelle Yatlov Pass, que moi j'aime bien perso. Voilà, c'est mon petit péché mignon parce que les fan footage c'est pas forcément bien fait, mais moi je trouve qu'il. On pourrait le passer à John Z Agency en ta présence. Ah, ce serait cool, hein, ce serait cool. Le film, je vous spoil même pas dessus parce qu'il reprend une des théories assez célèbres. Donc je vais pas vous dire c'est quoi, mais ça reprend l'idée d'enquêteurs américains qui vont en Russie pour enquêter sur l'affaire. Et qui marche un peu sur les traces des disparus, et je trouve ça assez passionnant, en plus pour le dispositif du fan footage est complètement justifié, ça s'appelle Yatlov Pass, et ça c'est cool, voilà, il est noté assez moyennement, mais moi je trouve que c'est vraiment, tu passes un bon moment devant, si t'es passionné par l'affaire, tu passes un bon moment devant en tout cas. Ça veut rien dire les notes, surtout les notes hallucinées, ça va. C'est vrai, c'est vrai. Et des gens qui proposent à Axolot, Patrick Beau, bah évidemment, je serais ravi de... Mais vous savez, en fait, La collab sur YouTube, il y a plein de points de vue différents. Moi, maintenant, je me refuse de faire une collab pour faire une collab, quoi. Donc, évidemment, j'adorerais convier. Au Culture, on se connaît depuis des années, on n'a toujours rien fait vraiment pour l'instant ensemble, parce que voilà, on attend de. Enfin, si, on a fait le. Oui, on a fait le. Mais ça, c'est eux qui m'ont. Ça, c'est eux qui m'ont invité. Oui. Moi, pour l'instant, je les ai pas encore invités pour un gros projet. Eh ben, bravo. Hey, mais il faut que faut cultiver le truc, faut que ça se construise, faut qu'on prenne le temps d'eux. Les collabs pour les collabs, ça m'intéresse pas trop. Et évidemment qu'il y a plein de youtubeurs que je suis avec qui j'aimerais collaborer, mais faut créer l'opportunité, la bonne opportunité, pas juste l'occasion, quoi. Pour des lives. Le livre est pas seulement en format numérique, il y a un format numérique, mais on a deux éditions, une édition collector et une édition standard.
Ouais. Donc voilà, il y a tout sur la campagne et ça va être du vrai papier et des très belles éditions. Ouais, bah c'est une campagne qu'on a avec Hypatia Swan qui travaille avec nous, qui est notre illustratrice, qu'on a créée pour avoir quelque chose à la fois de très esthétique et avec du fond. On a vraiment essayé de pousser le fond et la forme au maximum sur France Obscure. Il y a Gordon Freeman qui dit le Col Diatlov, je le répète encore, c'est un drame réel, mais beaucoup trop de mascarade dans l'analyse et tout le monde essaie de faire son beurre. Vive le pognon. Ah bah comme dans non mais en soi oui c'est assez triste mais ça c'est un vaste sujet hein. C'est dès qu'il y a une affaire qui sort un peu du lot les gens en parlent, si les gens en parlent la presse relaie, si la presse relaie t'as plein de médias alternatifs qui en parlent aussi ou des gens comme moi qui en parlent également en vidéo oui évidemment qu'à la base c'est quand même un drame qui est horrible, c'est pour ça que les familles continuent encore aujourd'hui de militer, c'est pour ça qu'il y a une fondation qui continue aujourd'hui de demander de demander de faire la lumière parce que les familles croient pas spécialement aux théories officielles et même aux réponses officielles parce que l'affaire est close et c'est bien pour ça que enfin c'est un sujet assez sulfureux, extrêmement complexe et c'est bien pour ça que t'en fais rarement le tour quoi et malheureusement comme dans tout grand sujet il y a les vautours mais il y a aussi une flopée de gens sincères qui s'intéressent avec passion quoi. Mmh. Journalistes, enquêteurs ou juste aficionados amateurs. Donc voilà, Daniel Muzo qui dit rien, vous le savez bien, genre Bigfoot ou autre, on aurait déjà retrouvé des carcasses ou des rencontres réelles comme avec tout animal sur cette terre. Alors pour tout ce qui est cryptide, ça dépend parce que les cryptides partent du principe que ce sont les cryptozoologistes partent du principe que les cryptides sont des animaux normaux qu'on n'aurait juste pas encore catalogué, que la science n'a pas encore catalogué et ils essayent, on va dire, de prouver leur existence et de les répertorier. Enfin, la démarche est avant tout scientifique. Après, pour tout ce qui est paranormal, bon moi c'est aussi une question de foi quoi. Avec les moyens à notre disposition, effectivement, on n'a toujours pas de preuves irréfutables. On n'a toujours pas un paradigme qui a été instauré. Par contre, il y a mille et une enquêtes, il y a des faits curieux. À quoi est-ce qu'ils sont dus? Est-ce que ce sont des biais, etc. Là-dessus, c'est un débat sans fin, extrêmement vaste. Il y a plein de bouquins très intéressants qui posent aussi la question de, notamment dans le phénomène OVNI aussi, de pourquoi est-ce qu'on les voit pas matériellement, pourquoi est-ce que c'est immatériel mais ça pourrait exister, il y a plein de gens qui ont réfléchi justement sur ces questions là mais bon ça reste de la réflexion, évidemment qu'il n'y a pas de réponse définitive, après c'est à chacun de faire son chemin mais moi je peux pas dire non ça, je trouve que fermer la porte et dire juste ah ça existe pas c'est un peu présomptueux quoi, parce qu'il y a quand même beaucoup d'affaires assez curieuses même encore aujourd'hui qui demande à ce qu'on les creuse et à ce qu'on trouve des réponses. Voilà. C'est ce qui nous permet d'avoir encore un peu avoir du mystère sans fin dans la vie. C'est ça qui est beau, ça nous permet de rêver. Non mais accessoirement c'est un peu ça. Je me permets de reposer la question à tous les trois. Ne pensez-vous pas que les émissions, notamment américaines, qui trouvent des fantômes de partout, genre GA, ça doit être Ghost Adventures, ne nous pas au paranormal. Alors, ça, c'est une question de traitement et de point de vue différent. Aux États-Unis et dans le monde anglophone, c'est la culture de l'entertainment et ils ont juste, globalement, enfin, ils mettent en scène à fond. J'allais dire, ils ont rien à faire. Non, ils mettent tout en scène. Même leurs cheveux. Voilà, les trucs les plus, ils te mettent tout en scène. Sur des détails, ils sont capables de te faire 10 minutes. Oh, ça c'est vraiment bizarre, machin. Même s'ils donnent l'explication, ils vont te faire une mise en scène de 10, 20, 30 minutes à grand renfort de gros bruit et tout. C'est une question de traitement. Voilà, nous on n'a pas forcément le même traitement. En ce moment, là, je suis en train de, pour une prochaine vidéo qui devrait sortir ce mois-ci sur un cryptide d'ailleurs, je suis en discussion avec une journaliste qui a beaucoup écrit sur le sujet. Et qui, pareil, a fait le tour des émissions de télé aux États-Unis, où c'est devenu un peu la spécialiste sur ce cryptide. Je vous garde un peu la surprise. C'est devenu un peu la spécialiste. Elle intervient partout à chaque fois pour en parler, être ultra médiatisée et parler de ce cryptide. Et en fait, il y a une facilité dans les médias aux États-Unis, notamment, à parler du paranormal, à dire oh là là, mais c'est bizarre, mais il y a vraiment des. Et à faire des histoires sur pas grand chose. Je pense que c'est juste la culture de l'entertainment. Oui, au final. De divertissement de masse qu'on n'a pas ici, quoi. Alors, on l'a sur YouTube, hein, y en a certains qui. On l'a, oui, bah oui, après, oui, on l'a aussi sur YouTube, mais. Enfin, puis j'ai l'impression que c'est pas. Enfin, ça se donne un air de sérieux, mais en fait, ils savent très bien que c'est.
C'est du théâtre. Ils en jouent. Tout, ah, tout ouais. le monde sait que c'est un peu, c'est comme de la télé-réalité, quoi. Ah, tout le monde sait. Non, mais personne ne prend ça pour argent comptant, bah, quand même. Si, alors, si, justement, si, aux États-Unis, si, justement, aux États-Unis, c'est ça qui est passionnant, c'est que t'as des gens qui prennent ça vraiment très au sérieux, et du coup, mais c'est ça qui est à la fois paradoxal et que moi je trouve fascinant, c'est que du coup, ce qui est intéressant, c'est que t'as énormément de couverture médiatique, donc potentiellement, t'as aussi des reportages télé, des sources facilement, si tu veux vraiment mener l'enquête, tu peux facilement retrouver des sources aussi grâce à ça. Mais que t'as tous les points de vue qui s'opposent, quoi. Ou des fois, t'as des affaires vraiment bizarres où t'as les deux points de vue, les sceptiques et ceux qui croient au paranormal qui vont s'opposer. Mais effectivement, sur tous les genres d'affaires, quoi. Enfin, des fois, t'as des affaires qui n'en sont absolument pas, où tu vas quand même avoir des gens qui vont croire dur comme fer à un phénomène paranormal, etc. Genre le tableau hanté de... Par exemple, j'ai envie de te dire, ça va ensemble, quoi. Voilà, ça va avec leur culture particulière. Où du coup les bonnes infos se noient aussi dans les choses un petit peu potaches, mais ouais, ils ont une culture du paranormal et un regard du paranormal qui est pas forcément le même. C'est ça. Mais du coup, pour répondre à la question, c'est vrai que du coup on finit par se dire, putain, le jour où il y a vraiment un truc bizarre et que ça va être traité par des journalistes de manière vraiment ultra sensationnelle, et du coup on va totalement oublier que derrière il y avait probablement quelque chose qui était peut-être vraiment inexplicable ou vraiment intéressant à creuser, quoi. C'est horrible. C'est tout de suite une question de traitement, en fait. De toute façon, je vois passer sur le chat, il va au coiffeur, Dean qui précise, j'ai pas vu la question d'avant, mais il va au coiffeur mardi. je suis obligé d'en parler. C'est dur pour Véjou, imagine pour moi qui porte c'est paranormal, un fantôme se cache dans mes cheveux, explication. Bon, c'est la fin du live, on commence à craquer. Non mais c'est un grand débat. Moi je suis content par contre qu'il y ait quand même ce genre d'émission, parce que mine de rien il traite à la fois pardonnez-moi le terme, mais extrêmement putassière des affaires, mais du coup ils mettent aussi en lumière certaines affaires vraiment intéressantes, même si je suis pas partie prenante de leur traitement. Ça a au moins le mérite de contribuer à sourcer, on va dire, le paranormal et à faire parler un peu plus librement, quoi. Parce que moi, encore une fois, je le redis, mais on est beaucoup, notamment là, vous êtes beaucoup sur le chat à vivre des expériences que vous associez, qui vous sont inexplicables et que vous associez au paranormal, et c'est important qu'on puisse en parler. Et ben, dans une, si on est dans une société où justement on a plutôt tendance à pas en parler aux copains, ou même surtout pas en parler à la presse, on garde ça pour nous, et ça peut être source de beaucoup de problèmes et de mal-être. Donc dans tous les cas, le fait d'en parler, c'est jamais mauvais. Après, effectivement, faut bien choisir sa source d'information. C'est pour ça que voilà, faites aussi preuve d'esprit critique, quoi. Dites-vous, est-ce que je veux croire ça? Est-ce que pourquoi je le crois? Est-ce que tel et tel fait sont avancés? Est-ce que ce sont des faits crédibles? Pour tout, même pour moi, même sur mes vidéos, je vous invite tout le temps à remettre en question mes sources, à vous demander est-ce que effectivement c'est bien, ou est-ce que les sources sont pas assez fiables. Et sachez que même si les sources sont solides, et je m'attelle à chaque fois à avoir des sources solides, mes vidéos sont écrites. Ça ne reste que mon point de vue, et je mets l'emphase ou l'angle parfois sur une certaine manière de vous raconter l'histoire. Donc, j'essaye d'être neutre, mais ça reste quand même de la narration. Ça, faut aussi le savoir. Si vous voulez vraiment, après, mener l'enquête de votre côté, remonter les sources, et dans votre tête, en y réfléchissant, c'est là que vous allez vraiment reconstruire aussi vos éléments. Je le redis juste, hein, ça peut paraître... C'est important quand même de le dire, quoi. Voilà, remettez aussi en question parfois les infos que je vous donne, parce que premièrement je peux me tromper, et même si je me trompe pas, j'ai un certain axe dans tout ce que je raconte. J'ai un certain axe qui est aussi mes propres, parce que voilà, j'ai mes croyances, j'ai mes centres d'intérêt, même dans le paranormal, avec certains sujets que j'affectionne plus que d'autres. Donc voilà, appropriez-vous aussi les faits une fois qu'on vous les donne, c'est important. Sur ces paroles, je pense qu'on va on va vous laisser là. C'était un live assez chargé, donc on a essayé de faire au plus vite. On espère qu'il vous a plu. Il y aura la rediff comme d'habitude, et je pense même extraire certaines chroniques ou certains passages des chroniques pour en faire ensuite derrière une vidéo que je vais un peu remonter, hein, mais pour aussi, parce que je sais qu'il y a pas forcément tout le monde qui va regarder 2 heures de live. Avant toute chose, s'il vous plaît, avant de partir, pensez à parler autour de vous, à France de France Obscure. Il nous reste 9 jours, donc c'est très important, voilà.
Je le répète, mais un énorme merci déjà à tous ceux qui ont préacheté l'un des packs. On fera des lives. Bon, le prochain live, c'est mercredi prochain. Il y aura peut-être un live jeudi pour la fin du live. On va voir, on va en discuter. Un live de clôture pour la fin de la campagne où on sera sur du paranormal général, quoi. On parlera un peu de tout et de rien. Mais par contre, mercredi, on va voir un peu. Il y a moyen qu'on parte sur les cryptides, comme on a dit, à 21h. On va voir ça. Merci les modos, vous avez fait un super taf. Merci à vous d'avoir comme suivi. Toujours. Et un dernier big up pour nos partenaires. Donc, John C, on vous rebalance le live musical si vous voulez vous endormir paisiblement. Voilà, allez écouter, n'hésitez pas à leur laisser un petit pouce bleu. Je remets le lien. Ouais, c'est assez super ce qu'ils proposent. Et en plus, là, il y aura de plus en plus de contenu sur leur chaîne, donc n'hésitez pas à suivre. Et évidemment, Pierre, grand Manitou de la Grotte Chaude, qui sera en live dès demain avec ses réseaux Grotte Chaude. Dès tout le temps, il va falloir que j'arrête au bout d'un moment parce que je n'ai plus de vie. voilà. Pour tous ceux qui souhaitent continuer d'échanger, de discuter ou de parler de ces sujets-là, on rappelle qu'il y a notre Discord hein, aussi. Sur lequel je ne vais jamais car je suis un boomer et je n'y comprends rien. C'est pas bien, Pierre, c'est pas bien. Donc n'hésitez pas aussi à le suivre. Voilà, il y a l'équipe de Modo qui peut vous accueillir et vous pourrez discuter librement de plein de sujets, que ce soit donner vos témoignages ou parler du paranormal ou de spiritualité de manière plus générale. Tout en restant sympa et respectueux les uns des autres. Absolument, SVP. Mais on est à chaque fois entre nous, tout le monde est sympa, tout le monde est bienveillant. On était beaucoup encore ce soir et tout le monde dans le chat, j'ai vu même des discussions assez intéressantes et tout. Donc voilà, ça fait plaisir. Merci les gars et les filles, merci les gens de nous permettre cet espace d'expression intéressant, ma foi. Par les temps qui courent, ça fait du bien. Voilà. Moi, je vous le dis en tout cas, nous, ça nous fait du bien de faire ça. Donc, on espère que vous avez passé un beau moment. On se dit à 21h la semaine prochaine, même heure, même endroit. Salut à tous. C'est la fin. Avec un peu moins de cheveux, on espère. Allez. J'en ai marre là, vraiment. Ouais, j'en suis au point où je décale mes tournages de vidéos en attendant d'avoir une coupe décente. Bref. Va te couper les cheveux. Pardon. Excusez-moi, j'arrive plus à l'enlever maintenant. Voilà. En train de prendre le live, ça tourne mal. Bon, bah voilà, bah oui. Bah voilà, bella ciao, comme bonne on dit. Soirée, prenez soin de vous. Dormez dans vos turbulettes et dans vos pyjamas. Et je vais mettre un jingle aléatoire. Quoi, les turbulettes, c'est confortable, mec. C'est quoi une turbulette? Je crois que c'est un peu comme une grenouillère, mais. Bah, tu sais, tu te mets dans un truc et t'es complètement enveloppé, tu remontes la... comme un sac de couchage, mais avec des bras. Ouais, ok, je vois. Voilà. Bah, je pense qu'on devrait en acheter et... Bah, là maintenant. Alors, vas-y, on y va, go. Je remplis mon attestation et c'est parti. Bon, je mets un jingle. Mettons un jingle pour clôturer ce live. Je vais mettre le jingle avec la lune parce que c'est beau. Allez, bonne soirée. Bonne soirée.